Bonjour à tous, on va commencer dans quelques minutes. es des On y va, on commence. Donc ce soir, le, le cours est sur le, pour l'éolu Nishmat de Chem Yosef Ben Raphaël Younes, et pour la Réfo de tous les malades d'Israël. Ce soir, le, le, le thème du cours, c'est Birkat koanim. Comme on le sait, cette semaine, c'est la paracha Nassau, et dans cette paracha, il y a plusieurs mises-votes euh, assez détaillées. Il y a la misa de Sota, il y a la misa du Nazir... Il y a le, le, le compte des bénis Israël, il y a les sacrifices des Nessim, il y a le, le travail des, de la famille de Gershon, la famille de Merari. Il y a aussi la fameuse Birkat Kohanim, elle se trouve dans notre paracha. On voit que Moshira Benum dit à Aaron et au de Ainsi vous bénirez les bénis Israël. Et donc, comme chacun sait, la, la Birkat Kohanim, c'est ça c'est Yévaricha Hashem Vishimarika, que Dieu te bénisse et te protège. Yerachempanavelecha que Dieu éclaire sa face vers toi vichuneka et te procure de la grâce. Issachempanavelecha Dieu élèvera sa face vers toi via et installera sur toi pour toi de la paix. Par rapport à cette mise évidemment qu'on peut comme toutes les mises il y a plusieurs regards, regards qu'on peut avoir sur la misva on peut avoir un regard simple d'essayer de comprendre quelle est l'utilité de cette mise qu'est-ce qu'elle nous apporte pour quelle raison Dieu nous a ordonné d'accomplir cette mise qui est de berkat koanim euh, une autre question qu'on peut se demander, c'est que euh, qu'est-ce qu'elle nous apporte, cette, cette bracha, cette bénédiction. Quand, on dit une, quand une personne bénit l'autre personne, c'est qu'on lui cède qu'elle lui apporte quelque chose. Ici, si, Birket Koanim, est-ce que c'est un apport spirituel Est-ce que c'est un apport matériel Est-ce que c'est que matériel Est-ce que c'est que spirituel Est-ce que c'est les deux en même temps Et qu'est-ce que apporte Birket Koanim plus que la bracha même de Dieu Pour que la raison, ça serait pas Dieu qui nous procurerait ce Qu'on aurait besoin, pourquoi qu'est-ce qu qu'on a besoin de Birkat koanim lorsqu'on sait que tout provient de Dieu, qu'est-ce que ça apporte Birkat koanim qu'on aurait pu avoir tout simplement par Dieu directement, pour quelle raison les koanim en particulier, etc. Donc on a plusieurs questions qu'on peut se demander sur cette misva et on va essayer de la comprendre sous plusieurs formes. On va essayer tout d'abord de, comp de comprendre cette misva d'après son sens simple, d'après un livre, le Sefer Achinur, un livre écrit euh, qui en fait reprend toutes les misvotes de chaque parachute et leur donne en fait les raisons des mises votes, comment ça fonctionne euh, d'un point de vue de la Lacha dans sa globalité, et est-ce qu'on les applique toujours aujourd'hui. On va essayer d'avoir un petit regard un petit peu plus allusif, d'après le midrash, dans le commentaire du Kliakar, qui va essayer de nous expliquer euh, ce qu'on peut déduire des versets de notre paracha concernant. Euh, si la, la misva de Birkat Kohanim, si la bracha que les Kohanim nous, nous offrent, est-ce que ça a seulement un lien avec le matériel ou même le spirituel Et ensuite, on ira un, un, un peu plus loin, beaucoup plus profondément comme on a l'habitude, avec les enseignements de le maître al en particulier euh, dans le livre du Derich Mzotech HaDjitse Marsedek, et aussi un Mahamar du Rabbi, qui est basé sur un enseignement du, de, de l'Admorim Tsei, le deuxième Rabbi de Donc, on va essayer d'avoir un regard assez global sur cette misva. Donc tout d'abord on va essayer de, de, le de la comprendre simplement, après un petit peu plus profondément avec le kliakar, et enfin beaucoup plus profondément avec un développement sur une, une notion qui concerne un peu tout le monde, qui est comment on passe de la théorie à la pratique. Lorsqu'on prend des décisions, souvent, surtout lorsqu'on pratique le judaïsme, la Torah le misvot, et qu'on a souvent tendance avec l'aide de Dieu de prendre des bonnes décisions, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on euh, s'apprête à vouloir accomplir un, une tâche, et que l'accomplissement de la tâche euh, concrètement par un. Qu'est-ce qui se passe entre les deux Quels sont les mécanismes qui vont empêcher l'accomplissement d'un acte Quels sont les mécanismes qui vont empêcher la décision de se concrétiser Et comment y remédier Dans quel cas, en fait, il est beaucoup plus facile de concrétiser une décision que dans d'autres cas On voit qu'on a certaines problématiques. Il y a certains retards, il y a certains empêchements qui empêcheraient en fait la, la décision de s'exprimer dans le concret, dans l'acte. Alors tout d'abord, essayons de comprendre la mise dans sa globalité. D'après ce sens simple. Donc, on va prendre un enseignement de, de Shyfah qui nous dit que Misharasha misva d'un point de des sources même de ces commandements-là, de, de la misa de Birket Kohanim, eh bien, Dieu désirait à Gadol par sa grande bonté bénir les bénis Israël par le biais de ses serviteurs qui lui servent continuellement dans son temple. Donc là, déjà, le Khinour nous explique pour quelle raison les Kohanim ont été choisis plus que d'autres. Évidemment, on l'avait plus ou moins perçu. C'est que si les Kohanim ont été choisis, parce qu'eux, ils ont l'habitude de tout le temps résider dans le temple dans le Bétamigdash, dans le Mishkan à l'époque. Et puis, qu'ils servent tout le temps à Kadosh-Borhud, c'est qu'ils ont une proximité avec le divin. Cette proximité avec le divin va leur permettre de pouvoir nous prodiguer une bénédiction. Et toutes leurs pensées sont tout le temps attachées au sacerdoce. On sait très bien qu'un Kohen, il avait l'interdiction d'avoir une pensée étrangère qu'au service qu'il est en train d'effectuer. S'il était en train d'effectuer de, le service d'un certain sacrifice, dont nous imaginons le sacrifice de Khatat, expiatoire, il avait l'interdiction d'avoir une pensée autre que celle du sacrifice expiatoire, etc. Donc on voit qu'en fait les Kohanim, c'était des personnes qui servaient continuellement Dieu dans le temple non seulement d'un point de vue de leurs actes, de leur présence dans le top, mais même aussi, y compris dans leurs pensées. Leurs pensées étaient seulement orientées dans le service d'Akhadajbaur. Et par leur mérite, alors la bénédiction pouvait justement être prodiguée et tomber sur les bénisraëls grâce à leurs actes. Vinoam, Hachem, Alehem, et l'agrabilité, la, la grâce de Dieu va pouvoir résider sur les coanim, et grâce aux coanim aussi surtout le peuple d'Israël. Et là, le Rhinour s'étonne, peut rapporte une, une question qu'un juif pourrait se demander, qui est va le mal les morts, ne, te, ne soit pas étonné, et de dire que pour quelle raison ça ne serait pas Dieu qui nous, qui nous bénirait directement Pour quelle raison ça doit passer par les coanimes par les C'est Dieu qui est source de bénédiction, c'est Dieu qui est source d'influence spirituelle ou matérielle. Tout ce qu'on a besoin provient de Dieu. Alors pour quelle raison ça devrait passer par des intermédiaires qui sont les coanimes, au lieu de passer directement. Par lui-même. Alors là, le Chinook nous répond en disant que je t'ai déjà expliqué pour quelle raison ça doit passer par les koanim Pourquoi Parce que, on l'a souvent étudié, surtout lorsqu'on avait étudié le, le fameux Mamar sur l'Aqba Omer, qu'en fait, une bénédiction, pour être béni, eh bien, il faut mériter cette bénédiction. En hébreu, bracha, c'est aussi le même mot que bérecha, qui veut dire une piscine. En fait, c'est un endroit qui emmagasine quelque chose. Une bracha, c'est on, on est capable de mériter une bracha qu'à partir du moment où on a été méritant pour pouvoir la recevoir. Donc, il faut un réceptacle, il faut un keli, il faut créer cet endroit qui va nous permettre de recevoir cette bénédiction. Pour pouvoir recevoir une bénédiction, il faut que cette bénédiction puisse s'inscrire et se concrétiser dans quelque chose. Si on n'a pas tendu la main, si on n'a pas créé un espace apte à mériter, cette bénédiction-là, alors on ne pourra pas la recevoir. Ici, le Khinouk nous dit que pour recevoir la bénédiction de Dieu, il est évident qu'il faut que cette bénédiction puisse s'inscrire dans un endroit qui soit convenable à cette bénédiction. Pas n'importe qui n'est capable de mériter une bénédiction. Il faut être méritant. Il faut évidemment avoir amélioré son comportement étudiant à pratiquer les misotes et ainsi atteindre un certain niveau spirituel qui sera conforme à la bénédiction qu'on attend de recevoir. Il est évident que la main de Dieu est ouverte. Pour tous ceux qui réclament, sa bénédiction pour tous ceux qui réclament une influence spirituelle dans certains besoins comme on le verra, des besoins de la santé, de la palanassa, des enfants, etc. Et donc il faut qu'on soit prêt pour recevoir cette influence spirituelle que Dieu nous prodigue. Dieu évidemment est oui à toutes nos demandes. Dieu attend juste qu'on lui demande et Dieu évidemment est prêt à nous donner tout ce qu'on a besoin. Seulement pour en mériter... De recevoir ce que Dieu nous donnera comme influence spirituelle, il est évident qu'il faut avoir un certain mérite, effectuer certains actes qui vont permettre de créer le réceptacle, pour pouvoir recevoir la bénédiction. Vaalken, et c'est pour cette raison que lorsque Dieu nous a choisi lors du don de la Torah la semaine dernière, lors de la fête de Shavuot, que que Dieu nous a choisi parmi toutes les nations, et lorsque Dieu nous a choisi, en fait, il nous a mis sur un certain système. Dans les cours qu'on avait fait, j'avais souvent parlé dans certains textes du Rabbi Rachat, du Rabbi Shalom Dovber, dans un de ses livres, le contrat soumayan, où là-bas il nous explique clairement dans les détails comment fonctionne l'influence spirituelle du peuple juif et comment fonctionne l'influence spirituelle des non-juifs. Évidemment que lorsque Dieu nous a choisis, il nous a mis dans le système de Torah et Misvot, et comme ça l'est marqué de nombreuses fois dans la Torah, c'est que si vous faites ci, vous faites ça, alors vous aurez la pluie en leur temps, alors vous aurez la terre qui va produire ses pousses, etc. En d'autres termes, Dieu en nous choisissant, il nous a mis dans un système où vous vous comportez bien, vous vous mettez dans le système de Torah-Mizad, alors vous aurez cela. Évidemment, on ne va pas essayer, on ne va pas ici euh, rentrer dans le sujet euh, complexe qui est de savoir qu'on voit bien des gens qui étudient la Torah, qui pratiquent les mises, qui sont des Sajiki, mais pourtant ils ne, ils ne prospèrent pas dans ces mondes physiques et matériels. On ne va pas rentrer dans ces sujets-là, bien que le, comme je viens, le Rabbi Rachab en parle, et souvent on en avait parlé. Mais l'idée, c'est que lorsque Dieu nous a choisis, eh bien il nous a mis dans ces systèmes que pouvoir recevoir la bénédiction, alors il faut créer le keli, le réceptacle pour pouvoir la recevoir. Et donc il faut améliorer son corps, il faut améliorer ses actes, il faut améliorer ses pensées, il faut améliorer sa parole en accomplissant la et le mitzvot pour être apte à recevoir toutes les bienfaits que Dieu va nous prodiguer. De même, nous a de même, nous a ordonné de réclamer une bénédiction. Dieu attend qu'on lui demande. Dieu n'attend pas qu'on reste les bras croisés et qu'on attende que Dieu c'est notre bon Dieu donc il va forcément nous prodiguer. Non, Dieu désire nos, nos, nos tulottes. Dieu désire nos réclamations. Dieu désire nos demandes. Comme on voit souvent dans la Torah avec Yitzhak et Rivka, pour quelle raison, comme le rapport Trachy, pour quelle raison euh, Yitzhak et Rivka ont dû attendre de nombreuses années pour recevoir des enfants, c'est parce que Dieu désire les prières des tsadjikim, Dieu désire les prières des juifs, et donc il attend qu'on lui demande, et que lorsqu'on demande, et qu'on a préparé le réceptacle convenable pour recevoir la bénédiction, alors on va la recevoir. Et évidemment que Dieu désire qu'on demande, qu'il puisse nous prodiguer tous les bienfaits qu'on attend, et que ça passe par Amisharchim, C'est qui le servent On sait très bien que une personne qui a des mauvais comportements et qui réclame une bénédiction, mais si on passe par un intermédiaire qui, lui, est plus ou moins, comme on va le dire dans le langage d'aujourd'hui, les VIP. Il a des passages, qui lui, il peut rentrer dans le palais, il peut complètement même rentrer dans la cour même du roi. Et donc, il a un laissé-passer qui lui a plus de facilités de discuter avec le roi et de lui dire, voilà, je connais tel citoyen du pays qui a besoin de telle et telle chose dans sa vie. Eh bien, il aimerait bien que toi, roi, tu puisses intervenir en sa faveur et lui prodiguer ce qu'il a besoin. Et donc, c'est ça en fait l'idée de Birkat Kohanim, c'est que les Kohanim, du fait de leur sainteté, qu'ils ont été choisis parmi le peuple juif pour être les serviteurs de Dieu dans le, dans, leur, dans le temple, en ayant toute leur vie orientée dans le service du temple, pas seulement leurs actes, pas seulement leur corps, mais même, comme on l'a dit, leurs pensées, puisqu'il n'était interdit pour eux d'avoir des pensées étrangères. Donc, c'est pour cette raison qu'en fait il y a cette misva de Birkat Kohanim, que certains juifs parmi notre peuple ont été choisis pour nous bénir, parce que lorsque la bénédiction. Passe par des juifs qui ont un certain niveau spirituel, alors ils ont plus de facilité d'atteindre la source de bénédiction qui va nous permettre ainsi de prodiguer ce qu'on aura besoin. Et cette idée de Birkawad koanim aussi, c'est cette idée d'accomplir une misva. Parce que pouvoir recevoir la bénédiction, les bienfaits que Dieu veut nous prodiguer, ça passe par une misva à accomplir. On ne peut pas recevoir des bénédictions, des bienfaits sans qu'on ait fait le réceptacle. Alors Dieu, il a ordonné, il nous a donné un commandement de misva. Qui va justement en l'accomplissant créer un réceptacle, créer un kelly, qui va nous permettre de créer l'espace méritant pour pouvoir recevoir la bénédiction. Comment se concrétise cette mise va Par le biais de personnes extraordinaires qui ont été choisies par Dieu lui-même, élus parmi notre peuple, qui ont dans leur vie orienté tout leur sens de leur vie seulement pour le service de Dieu. Et donc, pour cela, ils ont plus de facilités à nous bénir, à faire descendre la bénédiction pour tout à chacun. Donc, ça, c'est le sens simple qu'on peut avoir de la misva de Birkat Kohanim, telle que nous enseigne le En Ensuite, une autre question qu'on peut se demander, que je l'ai rapportée au tout début du cours, qui est maintenant qu'on a compris le besoin, même si on veut évidemment que le cours est encore long. On va rentrer encore beaucoup plus dans les détails. Même si on a compris globalement l'utilité de cette va, Maintenant, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est que cette va de Birkat Koanim, lorsque les Kohanim nous bénissent, chacun en fonction de ses coutumes. Chez, chez certains, Birkat Koanim, c'est tous les jours. Chez d'autres, c'est seulement le Shabbat. Chez d'autres, c'est seulement pendant les jours de fête, le Yom Tov, etc. Donc chacun en fonction de ses coutumes, en toutes cas causes, toute cause, cette Birkat Koanim concerne des besoins spirituels ou des besoins matériels. Eh bien, le Kliakar, qui est l'un des commentateurs fondamentaux de notre Torah, nous dit que dans notre paracha, on a une allusion de manière allusive, on a la réponse à cette question. Alors, on va voir le Kliakar dans les mots. Alors, le Kliakar nous dit que dans le texte même, on peut remarquer certaines choses. Je vais essayer de dire une chose de manière globale. On peut remarquer. Que toutes les brachot commencent par la lettre « Yud ».« Hashem Que Dieu te bénisse et te protège » Donc « Yevarechecha » un « Yud ». On cite « Yaer Hashem pana velecha vechuneka »« Que Dieu éclaire sa face vers toi et te produise de la grâce »« Yaer » encore un « Yud » Et « Issa Hashem pana velecha vyasem lecha shalom »« Que Dieu lève sa face vers toi, vyasem lecha shalom »« Et installe sur toi la paix » Donc on voit que les trois bénédictions des Kohanim commencent par la lettre « Yud ». Or, la lettre Yud est une lettre particulière. On n'a pas forcément souvent étudié cette notion, mais on peut la comprendre facilement. Dans les textes de Kabbalah et de Haseud, on parle souvent de ce qu'on appelle les lettres du, de l'alef lettre bête, les fameuses 22 lettres, et aussi le développement des lettres. Chaque lettre est, existe telle qu'elle est elle a aussi son développement. Par exemple, la lettre Aleph. Lorsqu'on parle de la lettre Aleph, on va la visualiser, visualiser dans notre tête avec la forme du Aleph. Mais lorsqu'on prononce la lettre Aleph, ce n'est pas seulement la lettre, sa forme qu'on qu entend, mais son prononciation. Lorsqu'on entend Aleph, on entend le Aleph, le Lamed, le, et un P, feu. Donc chaque lettre, telle qu'elle existe dans sa forme, est telle qu'elle existe dans son développement, dans sa prononciation. Prenons une autre lettre, par exemple le Shin. Il y a la lettre Shin, il y a telle qu'on la prononce, donc on entend aussi un Yud pour faire le I, et le Nun pour faire le Ne, Shin. Le Yud, est une lettre particulière que sa lettre, c'est la lettre Yud, mais son développement est aussi un Yud. C'est-à-dire que comment on prononce un Yud Il y a la lettre Yud, et aussi il y a le son Oud qui sort lorsqu'on prononce. Or, le son Oud, en hébreu, c'est avec un VAV et avec un Dalet. Donc, lorsqu'on prononce la lettre Yud, ça fait Yud, Yud, VAV, Dalet. Or, on sait très bien que la valeur numérique de la lettre Yud, c'est JIS. Et la valeur numérique de Vav et d'Alet, Vav c'est 6, d'Alet c'est 4, 6 c'est 4 ça fait 10. Donc la lettre Ud a une valeur numérique de 10 et elle cache aussi en elle encore valeur numérique 10. Donc avec la lettre Ud est une lettre particulière que pff, son aspect extérieur, son aspect euh, lorsqu'on la voit c'est valeur numérique 10. Et même lorsqu'on la prononce elle cache en elle aussi encore valeur numérique 10. Qu'est-ce que veut nous dire ici le cliacard c'est qu'on en déduit ici que chaque bracha, elle est doublée. Une partie de la bracha velon numérique 10, extérieur superficiel) touchera le corps, mais puisqu'elle est aussi doublée, parce qu'elle cache aussi une autre partie qui est aussi valeur numérique 10, touchera aussi l'âme, le spirituel. Donc ici le Kli nous dit que dans la Torah même, dans les versets même de notre Torah, il y a une allusion à la réponse. Qu'on avait demandé, est-ce que Birkat Koanim concerne seulement les besoins matériels ou aussi les besoins spirituels Eh bien, le Kliakar nous dit que puisque chaque bracha commence par la lettre Yud, et la lettre Yud cache en elle un va et un dalet, qui est aussi valeur numérique 10, cela signifie qu'elle touche à la fois le corps et à la fois l'âme. Seulement ici, évidemment, qu'on peut se poser une question pour quelle raison le chiffre, le nombre 10, fait allusion au corps et fait allusion à l'âme pour que la raison, n'aurait aurait besoin d'arriver au nombre 20. Donc la lettre Yud dans son aspect extérieur et la lettre Yud dans son aspect caché qui est le va vers le dalet. Et ça, c'est ce que nous dit en fait le Kliakar. Ki khelek mehem et la gouf, une certaine partie des bénédictions seront en fait données par rapport aux besoins du corps, la santé, la pamassa, les enfants, etc. Et une certaine partie des bénédictions seront par rapport à l'âme. Donc on comprend de là que le Yud. L'aspect extérieur concerne le corps, vu c'est ce qui saute aux yeux, ce qui est visible par nos yeux fait de chair et de sang, et la partie cachée qui est l'âme, qu'on ne voit pas, mais qui existe toujours, qui est en fait la partie cachée de la lettre yud. Donc c'est ça en fait ce que nous dit le client, c'est que les birkat koanim concernent à la fois le corps et à la fois l'âme. Pourquoi Parce qu'à la fois le corps et à la fois l'âme, le spirituel, sont au nombre de dix. Pourquoi? Parce que comme je dit dans Maseret Nida, il y a trois associés dans la conception d'un enfant. Il y a le père, il y a la mère pour le corps, et il y a Dieu pour le spirituel. Et donc en fait, ces trois personnages, le, le père, la mère et Dieu s'associent pour créer un être humain complet, complet dans le corps et complet dans l'âme. Et dans l'Agmara, la bande nous dit ce que le père donne, ce que la mère donne, et ce que Dieu donne. Le Père, ce qu'il donne par sa semence, il donne en fait le blanc. Qui est composé de quoi Qui est composé des nerfs, qui est composé des os, donc le squelette, le cerveau, les ongles et le blanc des yeux. Donc, quoi que le Père donne cinq choses à l'être humain, qui est tout ce qui est en fait de couleur blanche le cerveau, le squelette, les nerfs, les, le blanc des yeux. Et les ongles. Ensuite, la mère, est-ce qu'elle donne c'est le rouge, qui est la chair, la peau, le sang, les cheveux et la pupille des yeux. Encore 5. Et donc on voit que lorsqu'on associe le père et la mère, on arrive au chiffre 10. Donc encore le chiffre 10, donc qui définit le corps. C'est ce que nous a dit à car. L'aspect la, extérieur de la lettre Yud est en fait et le et le fait référence au corps parce que à la fois ce que donne le père c'est cinq choses ce que donne la mère c'est cinq choses donc ensemble on arrive au chiffre 10. qu'est-ce que Dieu donne, donne Dieu en fait il donne tous les spirituels qui sont nombre de 10, qui sont roi l'esprit neshama l'âme les traits du visage la vue lui la parole le déplacement la connaissance le développement intellectuel et l'idée intellectuelle qui apparaît donc, on arrive en, encore aussi au chiffre 10. Donc, ça, ce que nous dit en fait le Klihakar, c'est qu'on a la partie extérieure de la Bracha, la lettre Yud, son aspect extérieur, qui en fait est la bénédiction matérielle pour le, pour le juif, qui est au nombre de 10. Et on a aussi l'aspect caché de la lettre Yud, le vave d'Alet, qui est aussi valeur numérique 10, qui est en fait ce que Dieu donne, qui est le spirituel, et qu'à travers la bénédiction des Kohanim, ça va aussi prodiguer un bienfait spirituel pour l'âme. Et donc, ces 20 ces parties-là sont toutes bénies par le Kohen lorsqu'il élève ses 10 doigts. Par chacun de ces 10 doigts, en fait, chacun des 10 doigts du Kohen, lorsqu'il va les élever pour nous bénir, eh bien, il va prodiguer une bénédiction pour une partie du corps, l'une des 10 parties du corps, et pour l'une des 10 parties de l'âme. Très bien. Et donc c'est ce que nous dit ici le Kliakar, qui nous a répondu à la question qu'on avait demandé. Est-ce que la bracha des Kohanim concerne le corps ou concerne l'âme Il nous a répondu qu'en fait, Birkat Kohanim concerne les deux. Elle concerne à la fois un besoin pour le corps et à la fois un besoin pour l'âme. L'allusion qu'on peut avoir dans notre paracha, c'est en fait la première lettre des trois bénédictions. C'est que les trois bénédictions commencent par la lettre Yud. Valeur numérique 10. Mais la lettre U, elle est particulière, c'est qu'elle cache aussi Vav et dalet lorsqu'on la prononce, qui est aussi valeur numérique 10, pour nous dire en fait qu'il y a une partie extérieure qui sont les besoins du corps et une partie cachée qui sont les besoins de l'âme, et que les deux sont au nombre de 10, comme on le voit dans la Gemara, par rapport à l'association du Père, de la Mère et de Dieu. Père et Mère donnent à eux deux 10 choses pour le corps, Cinq choses le Père de couleur blanche, cinq choses la Mère de couleur rouge, et 10 choses que Dieu donne. Donc là, ce qu'on a compris, c'est encore quelque chose d'encore beaucoup plus profond. C'est l'utilité en fait de Birkat de Koanim, qui est de prodiguer aux juifs une bracha pour tout ce qu'il a reçu à la naissance. Tout ce qu'il a reçu de son père, eh bien, ça va être, il va recevoir une bénédiction par le biais des Koanim. Tout ce qu'il a reçu de sa mère, aussi ça va recevoir une bénédiction par le biais des Koanim. Et tout ce qu'il a reçu d'Akadesh Boko à la naissance, ça aussi, ça va être béni par les Koanim. Maintenant qu'on a compris tout ça, on a compris dans sa globalité, on a compris encore un petit peu plus profond grâce au Kliakar. maintenant on va rentrer dans le vrai vif du sujet, quelle est l'utilité de Birkat Koani C'est quoi quelle est l'utilité C'est qu'est-ce qu'elle apporte par rapport à la descente de l'influence spirituelle. Qu'est-ce que ça apporte Birkat Koani On sait très bien, comme on l'a dit tout à l'heure, que tout provient d'Akadejba Le Khinour nous avait déjà répondu de manière... Euh, simple l'utilité de cette bracha parce que justement ce sont des êtres particuliers spirituels choisis parmi le peuple pour nous permettre ainsi que eux c'est des VIP qui ont plus de facilité à faire descendre la bénédiction et aussi on a compris l'utilité parce que pouvoir faire descendre la bénédiction et ainsi la réceptionner il faut être méritant d'où la nécessité d'accomplir cette mise très bien sauf que là ce qu'on va essayer de comprendre c'est quelle est l'utilité de Birkat Kohani comme si, s'il n'y avait pas de Birket l'influence spirituelle ne, ne descendrait pas peut-être. Déjà, pour quelle raison on aurait besoin de Birket Kwanim Pour quelle raison on aurait besoin d'une bracha pour recevoir quelque chose, sachant, que, comme on l'a souvent étudié cette année, que tout a déjà été décidé à Rosh Hashanah Yom Kippur On sait très bien qu'on est jugé à, Yom Kippo, à Rosh Hashanah Yom et finalisé à Yom Kippur pour tout ce qu'on aura besoin durant l'année. Si tout a déjà été décidé, pour quelle raison on aurait besoin d'une bracha des koanim pour recevoir ce qui a déjà été décidé Est-ce que ce qui a été décidé à Rosh Hashanah, on le reçoit directement Est-ce que ça a été déterminé c'est comme ça et pas autrement C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir plus Est-ce que c'est seulement ça et pas plus Est-ce que ce qui a été déterminé, forcément, on va le recevoir ici-bas est-ce que ça ne va pas être bloqué On l'a souvent étudié, ce, ce sujet, en particulier lorsqu'on étudiait en début d'année le jugement de Rochelle et Kippour. Et aussi lorsqu'on avait étudié l'utilité d'avoir un travail. Parce que si tout avait déjà été décidé à Rochelle et Kippour, à quoi bon travailler qu que je, Pour quelle raison je vais devoir travailler si de toutes les manières tout a déjà été décidé Alors évidemment qu'on avait déjà traité ce sujet, on y avait déjà y répondu. Mais là, on va vraiment encore rentrer beaucoup plus dans le sujet. Avant de répondre à ces questions. On va essayer de comprendre de Kohanim. Pour comprendre de Kohanim, on va essayer de rapporter un événement qu'on verra plus tard dans les Parashiot, dans Parashat Korach. Dans Parashat Korach, on nous parle d'un certain événement tragique qu'a connu notre peuple dans le désert, qui est la révolte de Korach. Au Korach en fait, lui et toute son assemblée se sont révoltés contre Moshi Aaron en disant que pour quelle raison vous mettez au-dessus du peuple le peuple juif est un peuple saint. On n'a pas besoin forcément d'avoir une tête, comme c'est que vous êtes plus spirituel que nous. Pourtant, nous tous, chacun parmi nous, on a tous entendu la bouche de Dieu qui nous a dit à Nochia velekecha, lo yelecha Et d'après d'autres commentateurs, on a même entendu tous les dix commandements de la bouche même de Dieu, tous en même temps. Donc, dans vos proximités avec Dieu, on est aussi proche que vous. Parce que nous aussi, on a entendu, de la bouche même de Dieu, les commandements. Donc on a aussi une, une proximité avec le divin. On a aussi une grandeur spirituelle au point qu'on était capable d'entendre Dieu nous parler. Donc pour quelle raison on serait au-dessus de nous et Évidemment aussi ce que voulait Corar, c'est prendre la place d'Aaron Acoen. Il voulait être le Cohen Gadol. Il ne comprenait pas pourquoi ce sera Aaron qui devait être le Cohen Gadol, pourquoi ses enfants les coaniment, et que lui en tant que Lévi, il n'avait juste un travail qui était peut-être dérisoire par rapport à, au travail extraordinaire et au mérite et à la grandeur de d'Aaron Acoen. Alors on va passer tout ce qui s'est passé durant la paracha, mais à un moment donné on voit que pour prouver que Aaron a été choisi en tant que Kohen Gadol, alors Dieu demande à Moshe Rabbeinu de rassembler les douze princes de chaque tribu, y compris Aaron pour la tribu de Lévi, et demande en fait à chaque, tribu, à chaque prince de prendre un bâton et de le placer devant l'Oel de le placer devant la tente d'assignation. Et qu'en fait, Dieu dit à Moshé de dire au béni Israël que Dieu fera un signe le lendemain et choisira le prince de chaque tribu qui, sera, qui a été choisi par Dieu pour être le Kohen Gadol, qui véritablement a été choisi par Dieu. Ce n'est pas moi qui vais le choisir, Dieu nous montrera. Il nous montrera un signe. Et donc, chaque chef des tribus met son bâton devant le Le lendemain matin, on remarque que le bâton de Havon à Kohen a fleuri. Et il a fleuri quoi? Il a fleuri des amandes. Et donc, c'était ça, le signe, pour prouver que c'était Aaron qui a été choisi pour être le Kohen Gadol. C'est bien lu, le prince parmi toutes les tribus, qui a été choisi pour être le Kohen Gadol, le grand prêtre. Très bien. Donc, ça, c'est le signe. Mais évidemment, on peut se poser une question. Énormément de choses peuvent pousser à travers un bâton. Dieu aurait pu faire pousser n'importe quoi. Pourquoi spécifiquement les amandes, plus que n'importe quel autre fruit Alors, le Tzemartzadek, dans l'un de ses livres, Der Mesotecha, où il nous explique en fait profondément le sens des mises votes, et bien nous explique. Nous pour comprendre en fait la misa de Birkhaut Kohanim, d'abord intéressons-nous à cet événement où le bâton de Aaron a fleuri des amandes. Avec Kejim ça a poussé des amendes. Pourquoi spécifiquement des amendes Et bien Lutsé nous explique que les amendes ont une particularité c'est quoi C'est qu'elles poussent extrêmement rapidement beaucoup plus rapidement que tous les autres fruits. Beaucoup plus que, que des dates, beaucoup plus que des figues, beaucoup plus que des olives. Car pour pouvoir faire apparaître, à partir du moment qu'on a planté les graines, des olives, des figues, etc., il faut attendre énormément de temps. Par exemple, il y a une certaine espèce de date qui prennent 70 ans pour pouvoir pousser. Donc il faut attendre énormément de temps. Alors que les amandes, eh bien, ils apparaissent au bout à peine de trois semaines. Les amandes poussent au bout à peine de trois semaines. Et donc, c'est pour cette raison qu'en fait, que les amandes en hébreu s'appellent shkijim, comme on sait très bien que le Lashon HaKodesh, c'est pas peine langue comme toutes les autres, mais c'est une langue qui a la capacité d'avoir fait un lien entre les signifiants et les signifiés. C'est dur que nous, par exemple, lorsqu'on dit le mot table pour représenter la table, dans le mot table, on voit aucun lien avec la table en elle-même. Alors qu'en hébreu, chaque terme utilisé en hébreu fait référence à l'objet signifié par ce mot. L'achorma, achor, par exemple, c'est le même lettre que le mot khorma, la force du quoi, la force du questionnement. Comme quoi que la sagesse commence par une question. Comment Par cette capacité de se mettre dans un état d'annulation de, de soi et que lorsque je veux en fait recevoir une nouvelle sagesse, une nouvelle connaissance, c'est que je, me mets, je dois me mettre dans un état d'annulation de, de mon être et accepter qu'il y a quelque chose qui me dépasse et que je vais essayer de comprendre cette, cette notion que je n'ai pas, pas encore saisie jusqu'à maintenant. Il y a encore beaucoup d'exemples. De, le harrier, un lion, c'est le même lettre que ira, la crainte, etc. Parce que c'est un animal qui inspire la crainte à, tout, à tous les autres animaux. Les amants, dans l'hébreu, se disent « shkijim ». Pour quelle raison parce qu'en fait, en hébreu, sheked » comme dans la prophétie de il dit Makal ani roé. Hermiaou, il dit Je vois un bâton d'amandier. Et Dieu lui répond Tu as bien vu. Qui choquait Dani car je vais être rapide à pouvoir accomplir ce que je vais devoir accomplir. Donc en fait, en hébreu, sheked » c'est la rapidité. C'est la hâte. Donc, pour quelle raison en fait les amandes en hébreu se disent des shkidim Parce qu'en fait, les, les, les amandes, ce sont les fruits qui pousse le plus rapidement, en à peine trois semaines, l'amende les les, apparaît. Et donc on voit que Dieu a choisi l'amende en particulier pour faire allusion à la à la prêtrise de Aaron. Pour montrer que Aaron a été choisi parmi tous les autres princes, et bien Dieu a fait apparaître des amendes. Comme si que l'idée de hâte, de rapidité, est une allusion à la kéouna, la prêtrise. Et en fait, le Seigneur marc nous expliquait parce que Aaron, qui est la source même de la Kiyomuna, le premier Kohen, dont tous les descendants qui vont découler de lui seront des Kohenis, eh bien, Aaron, c'est les mêmes lettres que le mot Niré, visible. En d'autres termes, que grâce à Aaron, c'est-à-dire que grâce à Kohen, eh bien, en fait, l'influence spirituelle devient visible. Comme si que sans Aaron, la, bra la bénédiction, l'influence spirituelle que Dieu souhaite nous donner, que ce soit des besoins matériels ou spirituels comme l'a rapporté au nom du Kliaka, et bien, sans les Koanim, cette influence spirituelle peut rester en stand-by là-haut. Ne sera pas forcément visible ici-bas concrètement. À Aaron et les Koanim, par le biais de leur Birket Koanim, ont la force de faire descendre cette influence spirituelle assez rapidement, de manière à la faire apparaître dans ces mondes physiques et matériels. Que la bracha, que l'influence spirituelle que Dieu nous a donnée, comme on va étudier maintenant, depuis Rosh Hashanah, ne va pas seulement rester un bienfait spirituel pour nous dans le gan Eden, mais va être un bienfait matériel. Et c'est ça en fait l'apport de Birkat Kohanim, c'est que ça va permettre de, ni Aaron, même l'être que ni visible, rendre visible le bienfait que Dieu nous a prodigué depuis le début de l'année. Donc on va regarder dans les mots du tse ikuv » Qu'en fait, grâce à Birkat Kohanim, toute l'influence que Dieu nous, nous prodigue, et eh bien, va descendre rapidement, sans aucun retard, sans aucun empêchement. Car Dieu nourrit tout le monde, par, son, par sa bonté, avec grâce. Vilot m'tave, bitovo vechèz de Lyonimashpot Gashmiim, sa rêche tiridate à chèz derrèche rabot. Lorsque Dieu prodigue des bienfaits pour toutes les créatures, pour tout le monde, eh bien évidemment ça passe depuis la source de bienfaits. Donc ça provient d'une source spirituelle. Au tout début, le bienfait que Dieu souhaite nous prodiguer, c'est un bienfait qui est spirituel. Donc ces bienfaits-là vont devoir passer d'étape en étape, comme on va l'étudier après, pour pouvoir ainsi se concrétiser ici-bas. Mais durant ces passages de l'état spirituel à l'état matériel, il peut se passer plein de choses. On ne sait pas ce qui se passe dans les mondes spirituels. À un moment donné, peut-être la bracha va s'arrêter. Il ne va pas forcément descendre. Et donc, peut-être qu'il va falloir faire certaines choses pour que la bracha puisse descendre. Le plus du Birkat Kohanim, ce qu'apporte Birkat Kohanim, d'où l'importance de cette bracha, c'est qu'en fait elle permet à l'influence spirituelle que Dieu a décidé de donner aux Juifs. De ne pas rester seulement dans un état spirituel, mais de descendre assez rapidement, et comme on le verra même avec beaucoup plus d'intensité, de manière à ce que cette bénédiction puisse s'exprimer ici-bas dans ce monde physique et matériel. Donc là, on a déjà plus ou moins commencé à comprendre l'apport de Birkat Kohanim. Que Birkat Kohanim, en fait, ça permet de rendre visibles les choses. L'une des preuves qu'on a à cela, c'est cette allusion que Dieu nous a donnée lorsqu'il a montré que Aaron avait été choisi il a fait pousser des amendes. Les amandes en hébreu, ça c'est « dit, shkejim, dit shkejim, qui signifie en fait avec hâte, rapidement, parce que les, les amandes, c'est un fruit qui pousse extrêmement rapidement, en à peine deux, trois semaines, les amandes apparaissent. Pour bien nous faire comprendre que Aaron et tous les coenines qui vont nous suivre ont cette force, par leur bracha, de faire descendre rapidement les bienfaits que Dieu a décidé de nous donner. Là, maintenant, ce qu'on va s'apprêter d'étudier, pour essayer de vraiment comprendre profondément et dans les détails comment ça fonctionne. Quels sont les problèmes Pour quelle raison on a besoin de Aaron Pour quelle raison on a besoin des Kohanim Pour faire en sorte que la l'Abraha puisse descendre rapidement. Qu'est-ce qu qui se passe dans les mondes spirituels pour empêcher, pour retarder à l'Abraha de descendre C'est ça ce qu'on va essayer de comprendre, c'est les empêchements, les barrières qui bloquent en fait la descente spirituelle. Et c'est ça en fait qui fait partie du cours de ce que j'ai dit au tout début, qu'on peut revoir aussi dans notre vie. Souvent lorsqu'on prend des, des décisions, et eh bien, on est en train de réfléchir, est-ce que je vais faire telle tâche, est-ce que je vais effectuer telle chose, et on prend la décision de la faire. Mais entre cette décision prise et la concrétisation de cette décision, il y a un monde. Souvent on peut voir que théoriquement on arrive à une conclusion, mais concrètement rien n'a été fait. Qu'est-ce qui s'est passé entre la théorie et la pratique Qu'est-ce qui s'est passé entre l'idée qui a germé dans ma tête et la décision qui a été prise, et en fin de compte, l'absence de concrétisation d'acte. Pour quelle raison je ne l'ai pas faite Qu'est-ce qui s'est passé dans mon corps, dans mon subconscient, dans mon inconscient, dans ma tête, qui a fait en sorte que je ne sais pas passer à l'acte il est évident que en comprenant comment ça fonctionne chez nous, ça va nous, en fait, ça va nous permettre de comprendre comment ça fonctionne spirituellement. Comme souvent, on l'a dit, un premier verset du tanach Mifsari rasé loka » « À partir de ma chair, je verrai la divinité. » Les chachamim et les, les rébéims de Chabad nous expliquent en fait, à travers ces versets, on comprend que lorsqu'on veut saisir, à notre mesure, comment ça fonctionne spirituellement les choses, comme ici, pour quelle raison un bienfait spirituel ne descend pas, pour quelle raison tout ce que Dieu nous a béni lors de Rosh Hashanah, tout ce qu'il a déjà décidé de nous donner à Rosh Hashanah et à Yom Kippur, eh bien, peut-être qu'on va pas forcément le recevoir. Il y a une sorte de blocage qui s'est opéré durant l'année. Eh bien, pouvoir le comprendre, comprenons déjà chez nous. Qu'est-ce qui se passe chez l'homme qui l'empêcherait de concrétiser ce qu'il a décidé de faire Pourquoi est-ce que j'ai décidé un jour de faire J'ai pris une bonne décision. J'ai décidé de, de bien m'habiller Shabbat. Et Shabbat, après la lacha, il y a l'idée des kavot Shabbat d'honneur de Shabbat. Je me dois d'être bien habillé. J'ai pris cette décision. Mais arrivé à Shabbat, je, je ne le fais pas qu'est-ce qui s'est passé Pour quelle raison il n'y a pas eu cette descente de, comme on le verra, d'intellect, d'émotion, de pensée-parole et ensuite d'action Qu'est-ce qui s'est passé entre, dans, dans ce mécanisme, dans cette progression, dans ce processus de prise de décision et de concrétisation de ces décisions, Et qui a fait en sorte que la décision n'a pas été accomplie. Alors on va rentrer dans les mots en fait, d'un mamar du Rabbi qui l'a dit en 73 sur, en fait, Parashat Korar, comme on l'a dit que dans Parashat Korach, on a cette allusion à Birkat Kohanim, qui est cette idée qu'on voit que le bâton d'Aaron a fleuri des amandes. Et le rabbi, en fait, s'attarde sur cette idée d'amande, sur cette idée que la Birkat Kohanim fait allusion à cette rapidité de faire descendre l'influence spirituelle qui aurait pu être bloquée. Et donc, en fait, le rabbi commence son Mahamar en déjà en, posant, en établissant déjà la problématique, qui est de savoir que pour quelle raison on voit dans les enseignements de Noémet, comme on l'a souvent étudié en début d'année aussi, lorsqu'on avait étudié la Parnasa, on voit qu'on est jugé à recherche qui est pauvre, mais aussi dans d'autres textes de Noémet, on voit qu'on est jugé tous les jours. Pour quelle raison on aurait besoin d'être jugé tous les jours lorsque déjà la sentence a été établie Imaginons qu'une personne va au tribunal pour, pour qu'une sentence soit établie. Le juge frappe sur la table. Voilà la sentence. Très bien. Donc on a déjà décidé de ce qui allait advenir. Et durant l'année, il se ferait encore juger, sans le même problème, sans la même situation, il sera encore jugé, encore jugé. À quoi ça sert de se refaire encore juger de nombreuses fois, 365 fois, alors que ça a déjà été décidé le premier jour de l'année Qu'est-ce qu'on a besoin de retourner au tribunal, de se refaire juger tout, continuellement, quotidiennement, lorsque ça a déjà été décidé Alors on va voir plus en moins dans les mots du Rabbi, je vais, je vais traduire directement. Et donc en fait, on sait très bien que la bonté divine à l'origine provient du spirituel. Et donc pour que cette bonté divine puisse descendre et arriver à un besoin que nous un besoin concret que nous on a besoin en tant qu'être humain physique. On a besoin des enfants, on a besoin de la santé, on a besoin de la parenthèse, etc. Et donc il faut que cette bonté là que, que Dieu a décidé de nous donner puisse descendre de niveau en niveau, comme on sait très bien que globalement parlant il y a Quatre mondes spirituels, comme on l'a souvent étudié. Le monde de l'émanation, Atzilut, Le monde de la création, Bria. Le monde de la formation, Yetzira. Et le monde de l'action, Asya. Et nous, notre monde, c'est le point le plus bas de ce monde spirituel et de l'action. Donc, il faut que la décision de nous donner cette bonté-là puisse passer à travers tous ces mondes. Donc, de, de, depuis le plus haut niveau jusqu'au plus bas niveau dans notre monde physique et matériel. Et donc, il est évident que... Lorsque la, cette bonté, là, cette influence décidée qui, a été, qui va nous être donnée, eh bien, elle passe de niveau en niveau. Et à chaque niveau, en fait, un nouveau jugement apparaît. On va encore juger de savoir est-ce qu'on va la faire descendre à l'étape inférieure. Et ensuite, lorsqu'on a l'étape inférieure, on va encore effectuer un nouveau jugement pour essayer de savoir si ça va encore descendre et ainsi de suite. Si l'influence spirituelle va descendre de niveau en niveau jusqu'à arriver ici bas. Et c'est ça, en fait, qu'on tous les jours. De notre prière, Réfaé nous, que Dieu nous produise la guérison, barre nous, que Dieu nous bénisse, etc. Alors que tout a été décidé. Parce que tout ce qui a été décidé à Rosh Hashanah, il semblerait ici dans cet acte, comme on l'a étudié aussi en début d'année, qu'en fait tout est décidé spirituellement. Lorsque Dieu, en fait, il a effectué le jugement de Rosh Hashanah et de Yom Kippur, tout a été décidé pour le spirituel. On ne leur a pas encore donné un aspect matériel. Pour donner un aspect matériel à ce qui a été décidé à Rosh Hashanah, ça, ça va dépendre du, de l'action, du comportement du juif durant toute l'année. En fonction de ce qu'il va prier, en fonction de ce qu'il va demander, en fonction de ce qu'il va faire, eh bien, ça va permettre à la bracha, à la bénédiction, à ce qui a été décidé en début d'année, de descendre de niveau en niveau. S'il n'y a pas, si les choses ici-bas n'ont pas été faites par l'homme, alors ça va rester en stand-by spirituel et ça va être réservé pour le Ganeden, pour, pour que cette influence spirituelle va procurer beaucoup plus de plaisir à l'année après 120 ans. Mais pour que cette influence puisse descendre concrètement dans ce monde physique et matériel, alors ça va dépendre de, notre, de nos actions dans le quotidien de, de cette année. Pff, très bien. Parce que l'écriture et la signature, la bonne écriture, la bonne signature de Rosh HaNem Kippur, c'est une influence de bonté spirituelle, mais pour que ça puisse descendre dans le concret, eh bien, ça doit descendre de niveau en niveau. Donc, dans le monde, le plus bas niveau du monde Atzilut, ensuite dans le monde de Bria, ensuite ça va descendre dans tout le monde de Bria, pour ensuite arriver au monde de Yetzira, ensuite ça va descendre dans le monde de Yetzira, pour ensuite arriver dans le monde de d'Asya, et dans le monde d'Asya, ça va descendre jusqu'à arriver à... Une grossesse, ça va descendre à arriver à une guérison, ça va arriver à une panassa, ça va arriver à une augmentation, ça va arriver à, à éviter un accident, ça va arriver à beaucoup de choses. Ça va arriver à, à une bonne entente dans le mariage, à, dans le couple, etc. etc. Le mariage, etc. Donc on voit bien que ça doit passer par énormément d'étapes pour arriver à, à ce que j'ai besoin dans ma vie physique et matérielle. Et ça, en fait, l'idée que le juif, que l'homme est jugé quotidiennement. Même si ça a déjà été décidé à Rosh Hashanah Yom Kippur. pourquoi Parce que comme on l'a dit, la décision de Rosh Hashanah Yom c'était seulement d'un point de vue spirituel, alors que quotidiennement ça va permettre de faire descendre. Donc voilà, on voit déjà ici l'idée. Quel est l'apport du jugement quotidien C'est cette idée de faire passer du spirituel au concret. Ensuite, le rabbin nous dit qu'il y a aussi un deuxième apport de ces jugements quotidiens, que ça va permettre de la mettre sous quelle forme parce qu'en enfin, fait, ce qui a été décidé, comme on l'a dit, c'était spirituel. Qui dit spirituel, que ça n'a pas encore pris de forme. On ne sait pas si la bracha qui a été décidée, ça va être pour de la richesse. On ne sait pas si ça va être pour, pour les enfants. On ne sait pas si ça va être pour la santé. Comme on l'avait déjà étudié, pour ceux qui s'en souviennent, eh bien peut-être que la bracha a été décidée seulement pour l'une des trois. Peut-être pour seulement l'un deux parmi ces trois-là. Ou peut-être pour les trois. Et même si c'est pour les trois, peut-être que ça va être restreint. Pas forcément en largeur, donc on voit qu'il y a l'idée de qualité, l'idée de quantité. Eh bien, ça aussi, ça va être le jugement quotidien qui va en décider. À savoir, cette bénédiction, cette influence spirituelle qui a été décidée en début d'année, est-ce qu'elle va s'inscrire dans des enfants Est-ce qu'elle va s'inscrire dans la santé Est-ce que ça va s'inscrire dans la richesse Et c'est ça, en fait, toute la nécessité de, des pilotes journalières. Lorsqu'un juif prie et dans sa prière, en fait, il va réclamer quelque chose, et bien peut-être que cette prière-là aura la force de donner un aspect au spirituel qui a été décidé en début d'année, que ce spirituel-là, on va lui donner la forme de guérison d'une maladie. On va lui donner la forme de la richesse de la panassa. Ça va lui donner la forme d'avoir des enfants, etc., etc. Donc on voit bien que le jugement quotidien, en fait, apporte deux choses. Premièrement, de faire descendre de l'espirituel au matériel. Et deuxièmement, Donner un aspect. Est-ce que ça va être d'une catégorie, d'une autre catégorie, ou d'une autre encore de la troisième catégorie Et donc ça, en fait, l'essentiel du jugement, c'est de faire descendre de la bonté. lorsque cette bonté-là a été décidée à Rosh qui Yom kippur, eh bien, peut-être que cette, cette bonté-là a été complètement contractée, elle était limitée au point qu'elle n'est pas suffisante pour pouvoir être prodigué dans tout ce qu'un homme a besoin dans sa vie. Peut-être que cette année-là, la bonté qui a été décidée par Dieu, c'est une bonté qui est restreinte. Seulement dans une des catégories, cette année, tu seras en bonne santé. Maintenant, pour la panassa, pour l'éducation des enfants, etc., etc., il va falloir ramer. Pas évident. Peut-être que pour une autre personne, ça va être justement la panasse alors que la santé, ça va être compliqué. Rahman, Shalom, etc. Et en fait, d'où la nécessité, comme on l'avait étudié aussi par rapport à la etc. Des fois, de, de faire intervenir un tzaddik, d'aller voir un tzaddik, comme la fameuse histoire avec le Tov, d'un couple qui est extrêmement riche et qui n'avait pas d'enfants, qui sont allés voir le Balchentov leur demandant de, 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 de que leur Tov puisse les bénir d'avoir des enfants. Et le Tov leur a dit, c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'après ce qui a été décidé pour vous, la bonté qui a été décidée à Rosh Hashanah, c'était seulement de la richesse. Les enfants, ça n'a pas été décidé. Alors, le Bashem Tov leur a dit, non, si vous voulez vraiment avoir des enfants, alors renoncez à votre richesse. Parce que le Tzaddik, lui, a la force de faire passer la bonté d'une catégorie à une autre catégorie. Il est capable de changer les choses. Mais pour cela, il faut abandonner la première catégorie. Donc on voit qu'en fait, ce qui a été décidé à rechercher là, des fois, ça peut être restreint. Comme parfois, avec l'aide de Dieu, ça peut être large pour tout un chacun. Ça peut être dans toutes les catégories, et non seulement quantitativement, mais même quali qualitativement. Non, ce n'est pas qualitativement, mais même quantitativement. Très bien. Et même si c'est suffisant, comme on l'a dit, il est toujours nécessaire de prier, parce que justement, par le biais de notre prière et de notre bon comportement journalier, ça va, per ça va permettre de faire descendre concrètement. Donc là, plus ou moins, ce qu'on a compris ici, c'est... Euh l'utilité du jugement quotidien. Pour quelle raison on y est jugé tous les jours alors qu'on a déjà été jugé à Rochachana? Parce que ce qui a été jugé à Rochachana, c'est seulement l'idée spirituelle des bienfaits qu'on va recevoir durant l'année. Mais pour que ces spirituels là puissent avoir un aspect matériel et puisse descendre dans ce monde concrètement, cela nécessite un comportement convenable au quotidien avec des prières effectuées, et une demande à Dieu en lui demandant que cette bonté-là puisse s'exprimer dans telle catégorie, dans telle catégorie, avec telle intensité, etc. Et que si des fois il y a des blocages, pourquoi pas demander à un tzaddik d'intervenir par le biais de Sabracha, d'échanger de les choses, de faire descendre quelque chose. Très bien. Seulement, la question qu'on peut se demander, c'est que le jugement à Rosh Hashanah, comme on le voit souvent dans certains textes de nos maîtres, c'est un jugement qui concerne le corps. C'est le corps du juif qui est jugé à Rosh Hashanah. C'est le corps du juif qui est jugé à Yom Kippur. C'est toute sa vie matérielle qui est jugée à Rosh Hashanah et Yom Kippur. Donc pas seulement le spirituel est décidé, mais, mais aussi le matériel est décidé, et même dans tous les détails. Alors pour quelle raison on aurait besoin de d'autres choses pour que ce qui a été décidé à Rosh Hashanah puisse se concrétiser dans ces mondes physiques et matériels Alors qu'a priori ce qui a été décidé à Rosh Hashanah, ça concerne aussi le matériel. Ce n'est pas seulement que du spirituel. C'est comme si que oui c'est vrai ça a été décidé, pas seulement spirituellement, mais même matériellement même physiquement, pour tous les besoins physiques et matériels que l'homme a besoin dans sa vie. Alors c'est quoi le problème C'est que peut-être il y a des blocages. Oui, ça a été décidé. On n'a pas forcément besoin d'y mettre un aspect matériel. Même l'aspect matériel a déjà plus ou moins été décidé. Mais c'est possible que la bénédiction, l'influence spirituelle, n'ait pas descendu. Il y a quelque chose qui s'est d'opérer dans les mondes spirituels qui a fait en sorte que ça s'est bloqué. Donc là, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est quels sont les mécanismes, quel est le processus, comment ça se passe, comment l'influence spirituelle passe en fait de la décision prise par Akashibahru de prodiguer à ce juif telles et telle choses dans sa vie, et que durant l'année, on voit qu'a priori, ce n'est pas descendu. Qu'est-ce qui se passe dans les mondes spirituels qui font que ça ne descend pas Alors là, on va rentrer dans le vif du sujet. Qui est cette idée de comment passer de la théorie à la pratique. Comme on sait très bien, souvent, dans les mamarim de Chassidut, eh bien, en fait, pour pouvoir comprendre quelque chose, on a besoin de nous expliquer une notion. Parce qu'en fait, en Chassidut, on nous fait comprendre, comme on voit souvent dans les termes utilisés par nos maîtres, on voit que dans les mamarim, dans les discours chassidiques, jamais les marqués marqué « caché »,« Le sujet, il est difficile. Comme si qu'il y a un problème dans le sujet. Non. Tout le temps, on dit. On a besoin de clarifier, on a besoin de comprendre. C'est-à-dire que le problème n'est pas dans le texte, le problème n'est pas dans le sujet. Le problème est chez le juif qu'il a un manque de connaissances sur certains, certains sujets. Et puisque tu n'as pas de connaissances sur ces sujets-là, alors tu n'arriveras pas à comprendre ces sujets. Tu es en train de, de réfléchir là-dessus. Pour essayer de comprendre Birkheit Kohanim, on a besoin de comprendre le processus de passer de la théorie à la pratique. Et c'est seulement lorsqu'on aura compris ce sujet-là, alors on comprendra Birkat Kohanim. On comprendra l'utilité de Birkat Kohanim. On comprendra l'effet qu'a Birkat Kohanim de faire en sorte que la bénédiction puisse descendre rapidement, sans passer par des blocages. Et donc c'est pour cette raison qu'on voit souvent dans les mamarim de Khasi qu'on pose des questions sur le sujet. Et ensuite on explique un sujet qui n'a aucun rapport, aucun lien, il semblerait, avec de quoi on parle. Mais grâce au fait qu'on a compris ce sujet, qui semblerait n'a aucun lien, ça va nous permettre en fait de, de répondre aux questions posées sur le sujet qui nous concerne. Alors ici, évidemment, que le développement que le rabbi va nous faire, c'est un développement qui est lié au sujet, mais sans un développement c'est un sujet qui concerne en fait notre vie dans tout, de tous les jours. L'explication du rabbi qu'il va rapporter, il, il est basé sur un, sur un des livres de l'admon MCI, le rabbi Dovber, le deuxième rabbi Lubavitch, qui est son livre, le Pirou Hamilot. C'est un livre en fait où il nous, nous explique profondément les passages de la prière. Il prend plusieurs passages de la prière et il explique, pirou Shamilot le sens des mots profonds des, des mots de la prière. Là, le, le, le passage concerné, c'est en fait le passage qu'on dit tous les jours, euh, tout, enfin pas tous les jours, de, le, le Shabbat, avant euh, avant shamar certains télimes qu'on qu rajoute, c'est le fermé passage, l'homme yom, l'yom Omer. Et le rahami, que yom liyom, tous les chanchamim, c'est que Yam le Yam, de jour en jour, Yabia omer, le terme de Yabia signifie rapidement. Et en fait, là-bas, le Admor Saïd nous explique qu'il y a une différence entre le Shabbat et les jours de semaine. C'est que le Shabbat a ses forces et que l'influence spirituelle descend extrêmement rapidement, avec hâte. Alors qu'en semaine, eh bien, le processus prend du temps. Et donc, le Admour pose la question là-bas dans son livre, qui est de savoir, c'est que pour quelle raison ça prend du temps Quelle est la différence entre le Shabbat et les jours de semaine Nous, on ne va pas rentrer dans le sujet qu'il est la différence entre les jours de semaine, les jours profanes et le Shabbat, nous, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est quelle est la problématique, quel est le problème, pourquoi en semaine, pourquoi dans notre vie, parfois, eh bien, l'influence qui a été décidée de nous donner en début d'année à Rosh Hashanah prend du temps pour descendre, pas seulement prend du temps, et même parfois, Khazeshan ne descend pas. Qu'est-ce qui se passe Eh bien, en fait, la demande MCI avant de rentrer dans les mots du Rabbi, tout d'abord, il nous, il nous rapporte une idée, il nous rapporte un exemple, qui est l'exemple d'une per, personne extrêmement intelligente, et donc qui a un don intellectuel. Elle n'est pas seulement intelligente, mais aussi extrêmement généreuse. Elle a des caractères, elle a des sentiments, elle a euh, un savoir-vivre qui est magnifique. Quelqu'un d'agréable, quelqu'un de généreux, quelqu'un d'accueillant, quelqu'un d'enthousiaste, etc. Donc il n'est pas seulement très intelligent, pas seulement capable de transmettre des, 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 des compréhensions, transmettre une intelligence, transmettre une sagesse, transmettre une connaissance, mais même quelqu'un aussi rempli de bonnes qualités. Non seulement il a des qualités intellectuelles, non seulement il a des qualités de vie, des qualités émotionnelles, mais même aussi c'est quelqu'un d'extrêmement riche. Et donc le devant MC nous parle d'une un, personne qui a toutes ses qualités. Donc, disons clairement presque une personne parfaite qui a tout ce qu'il faut dans tous les domaines de la vie très bien cette personne elle peut avoir envie de prodiguer une bonté à une autre personne c'est une personne comme l'a dit qui a des très bons sentiments donc elle a envie de prodiguer une bonté cette bonté elle peut l'exprimer sous plusieurs formes on peut en fait être bon envers l'autre en discutant avec lui, en lui transmettant des connaissances. Donc, je vais exprimer la bonté que j'ai envie de concrétiser à travers un don de connaissances, un don de sagesse. Très bien. Un don d'information que l'autre n'a pas. Et donc, je vais lui permettre d'obtenir ce qu'il ne savait pas jusqu'à maintenant. Parfois, ensuite, je vais prodiguer cette bonté de manière plutôt émotionnelle. Je vais rassurer quelqu'un. Je vais être à l'écoute de ses problèmes. Je vais essayer de le consoler, je vais essayer de le réjouir, je vais lui faire une blague. Donc, je vais essayer de prodiguer une bonté de manière sentimentale, je vais l'enlacer, etc. Et ensuite, un niveau encore beaucoup plus bas, où je vais essayer de donner à l'autre, de prodiguer à l'autre une bonté, concrètement parlant, en lui donnant de l'argent. Il a besoin d'argent, il est dans une situation financière assez compliquée, assez précaire, donc je vais lui donner de l'argent. Pas seulement de l'argent, mais même lui donner de la nourriture, de quoi vivre, de quoi se venir à ses besoins, de quoi boire, de quoi manger. Donc, on voit là-dedans, nous explique un homme peut prodiguer de la, de la bonté sous plusieurs formes. Mais lorsqu'on demande à une personne, à n'importe qui, qui est véritablement bon, qui a la plus grande bonté, ou je, quand est-ce qu'on voit qu'une personne a une bonté extraordinaire, eh bien, c'est qu'en fait, cette bonté-là, c'est exprimer dans le concret le plus physique et matériel qui puisse être. Une personne qui est capable de transmettre des connaissances et s'arrêter là, c'est un acte de bonté, mais ça montre pas qu'il avait un énorme bonté en lui. Quelqu'un qui est là pour, pour les autres, quelqu'un hein, qui écoute, quelqu'un qui qui euh, qui exprime de l'amour, qui exprime de la compassion, qui exprime de la consolation, qui, qui est là pour réjouir les autres en, leur donnant, en faisant des blagues, etc. C'est aussi une expression de bonté. Mais c'est pas forcément la plus grande des bontés. Quand est-ce qu'on voit qu'une personne est vraiment bonne Il a énormément de bon en lui, sans qu'il est capable de faire en sorte que cette bonté puisse s'exprimer dans le concret le plus bas, le plus physique. Il est capable de donner à l'autre de l'argent, de donner à l'autre des besoins physiques et matériels, de la nourriture, que ça va l'aider physiquement parlant. Là, on voit en fait la grande bonté d'un homme. Pas seulement quelqu'un qui est là. Un qui est là pour l'autre intellectuellement, pas seulement quelqu'un qui est là pour l'autre sentimentalement, émotionnellement, mais quelqu'un qui est là aussi pour l'autre physiquement. Pardon. Et donc de là, on voit que la preuve d'une grande bonté, c'est lorsqu'elle s'exprime dans le concret. On avait souvent étudié cette notion, souvent expliquée dans la Khaseul, qui est « kol à agavu abiyoter »« yored le mata mata biyoter » que plus une chose est élevée, alors plus elle va descendre bas. Plusieurs exemples sont donnés, par exemple, par, par l'admo MCI dans un cellule charré aura. Je vais, en donner, je vais en donner deux. Premier exemple qui rapporte là-bas l'admont MCI, c'est quand est-ce qu'on voit l'intensité d'une lumière, c'est pas lorsqu'on est proche d'elle, c'est lorsqu'on s'éloigne à des kilomètres et des kilomètres. Et malgré cet éloignement, on voit toujours la clarté de la bougie, de la lumière. Donc on voit que quand est-ce que qu'une chose est intense et forte, lorsqu'elle est capable de s'exprimer le plus loin possible. Donc plus une chose est élevée, plus elle est capable de descendre bas. Autre exemple que rapporte la, que rapporte la demande Saïd, dans charaora, c'est que lorsque vous prenez un tonneau et qu'on essaie de déterminer si le tonneau est rempli ou pas, en fait, l'une des preuves qu'on voit de l'intensité de l'emmagasinement du, du tonneau, c'est voir que ça déborde à l'extérieur, lorsque ça va loin. Si ça ne déborde pas à l'extérieur, le tonneau peut ne pas être rempli. L'intensité du tonneau n'est pas forcément là. Quand est-ce qu'on voit que le tonneau est rempli, lorsque c'est capable d'aller à l'extérieur. Donc on voit que plus une chose est élevée, plus elle est capable d'aller loin, de descendre bas. Donc on voit ici, on comprend plus ou moins l'idée, c'est que lorsqu'une, quand est-ce qu'on voit qu'une personne est véritablement bonne, il est doté, il est rempli d'une grande bonté qu'il va exprimer. Et bien cette grande bonté s'exprimera évidemment dans le concret. Si ça s'arrête dans le spirituels ça s'arrête dans l'émotionnel, ben, ce n'était pas forcément une grande bonté. Qu'est-ce qu'on a compris ici On a compris qu'en fait, pour faire en sorte que la bonté puisse descendre dans le concret et ne pas s'arrêter seulement dans une bonté spirituelle, et donc ça, ça doit partir de très haut. Si ça part de très haut, si la source de bonté est extrêmement élevée, on parle de rafrescèd d'une grande bonté. Alors cette bonté va descendre très bas. Mais si cette bonté n'est pas très élevée, alors n'aura pas forcément la capacité de descendre très très bas. Elle va s'arrêter à être une bonté spirituelle, intellectuelle, peut-être descendre à être une bonté émotionnelle, sentimentale, mais pas jusqu'à être une bonté concrète et physique. Donc là, de ce qui nous explique ici là de Moïseï, c'est qu'on voit lorsqu'on souhaite, et c'est tout le sujet du, de l'étude de ce soir, c'est lorsqu'on veut faire descendre une bonté pour l'obtenir physiquement, parce qu'on en a besoin dans notre vie, donc que l'influence spirituelle décidée à Rosh Hashanah puisse descendre dans, notre, dans le besoin physique et matériel, eh bien, il faudrait que ça parte de très haut. Il faut que ça soit raffraîchi d'une grande bonté. Maintenant, le problème, c'est comment toucher à ça Comment atteindre cette grande bonté parce que, du fait que j'ai atteint ces grandes bontés, alors elle sera capable de se descendre le plus bas possible jusqu'à me prodiguer de des besoins physiques et matériels que j'en ai besoin dans ce monde physique. Et ne pas seulement se suffire d'un bienfait spirituel pour, pour que j'en aurai besoin plus tard dans le Gan Eden. Cette question, on la met de côté. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet, qui est de savoir comment ça passe, comment on passe de la théorie à la pratique. Alors, le rabbi nous explique que on va voir dans les mots. Donc, c'est tout à fait possible qu'une chose théorique, qu'une décision prise, qu'une influence spirituelle, par exemple celle de Rosh Hashanah, puisse rester en stand-by dans les mondes spirituels et ne pas descendre concrètement. Plus que cela. Alors là, le rabbi nous explique. Et le les c'est comme une personne qui juge intellectuellement de savoir est-ce qu'il va faire une chose ou pas. Il, en, il est en train de réfléchir, il est en train de marcher dans la rue, il est en train de faire son programme de la semaine, du mois, de l'année, il essaie de, de faire des projets dans sa vie, de décider certaines choses. Par exemple, là on arrive à juillet-août, il, il a envie de préparer des vacances. Très bien. Il essaie de prendre la décision. Partir en vacances ou ne pas partir en vacances Je prends un sujet bidon parce que ça peut être sur n'importe quel autre sujet. Ça peut être aussi un sujet concernant le misote. Est-ce que je vais prendre sur moi de mettre les titi-tits? Est-ce que je vais prendre sur moi de faire mes trois tuilottes Est-ce que je vais prendre sur moi de manger cachère, etc. Donc, une décision qu'un an souhaite prendre. Très bien. Et donc, il va essayer de réfléchir est-ce que ça vaut le coup de le faire Est-ce que ça ne vaut pas le coup de le faire Il va arriver à la conclusion de se dire oui, ce serait bien de faire cette chose-là. Malgré le fait qu'il a pris cette décision de « ça serait bien de faire cette chose-là », il est tout à fait possible que, concrètement, il ne va pas la faire. Il a pris la décision, il a réfléchi est-ce que ça vaut le coup de faire telle chose, d'effectuer cette tâche ou de ne pas effectuer cette tâche. Il est arrivé à la conclusion que, oui, ça serait bien de le faire. Est-ce qu'il va le faire Il ne va pas le faire. Mais il a décidé que ça serait bien de le faire. Donc, intellectuellement, logiquement parlant, lorsqu'on me demande mon avis, je réfléchis et je décide que lui, ça vaut le coup de le faire. Est-ce qu'il va le faire Est-ce que ça impliquait de, de le faire concrètement dans les médias Pas forcément. Plus que cela, je à d'avoir Nogal et Massé, mais lorsqu'il va arriver à la situation, il sera sur le fait accompli, ou il devra faire la chose ou ne pas faire la chose, alors il va encore réfléchir, alors qu'il avait déjà décidé. Il va encore réfléchir de savoir est-ce que ça vaut le coup de ne pas le coup de faire même s'il avait déjà pris la décision intellectuellement, si ça valait la peine de faire cette chose-là, malgré cela, étant donné que l'action qu'il avait décidé d'effectuer, c'était seulement une action théorique. Parce qu'en fait, il avait réfléchi si la chose valait le coup de le faire ou de ne pas le faire. Il avait décidé que oui, concrètement, ça valait le coup de le faire. Mais cette action qui avait été décidée, ce n'était pas une action qui avait un aspect concret, c'était une action qui était théorique. Je suis en train de réfléchir, est-ce que cette chose-là faudrait le faire Est-ce que faudrait que j'aide telle personne Est-ce que ce projet dans mon travail faudrait le faire Je suis en train de réfléchir et j'arrive à, à la conclusion que lui, il faudrait le faire, très bien. Concrètement parlant, je ne l'ai pas encore fait parce que j'étais seulement dans l'état de réfléchir sur l'utilité de l'acte. Le pourquoi de l'acte. Le quoi de l'acte? Est-ce qu'il faut le faire ou pas le faire? J'arrive à la conclusion qu'il faut le faire. Très bien. Lorsqu'arrive sur, sur le fait accompli, eh bien, au lieu d'effectuer de, l'acte immédiatement alors que j'avais déjà décidé, mais je me remets encore à réfléchir. Je me remets encore à réfléchir. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme on le verra après, là j'arrive dans une nouvelle étape. Puisque j'arrive dans une nouvelle étape, et on va, on va le voir plus concret, plus dans les détails juste après, d'autres problématiques apparaissent dans ma tête. Parce que là, je suis en train de, de me mettre dans le passage de la théorie à la pratique. Avant, j'étais seulement dans la théorie. J'avais pris la décision de faire une chose. Mais j'étais seulement dans le système de la théorie. Dans le système de la théorie, de la pensée humaine, eh bien, pas forcément, il y avait toutes les problématiques qui étaient là. Parce qu'il n'y avait pas le problème de, du concret qui était en face de moi. Il y avait seulement des problématiques idéologiques de l'acte. Est-ce que ça vaut le coup ou pas le coup de le faire J'étais arrivé à la conclusion que ça valait le coup de le faire. Très bien. Mais lorsque je, je suis devant le fait accompli, d'autres problématiques arrivent. Et par rapport à ces problématiques-là, eh bien, une nouvelle réflexion est nécessaire, où je vais encore réfléchir sur la nécessité ou pas de faire cette action. Et donc, en fait, dans les détails, on peut voir ici qu'il y a deux problèmes du passage entre la théorie à la pratique. C'est que quoi Premièrement, la décision que j'ai prise n'a pas forcément impliqué une action immédiate. Lorsque j'ai décidé qu'il fallait faire cette chose, eh bien la décision dans mon intellect n'implique pas forcément de le faire. Ça a juste impliqué l'idée dans l'idéologie dans de la personne. C'est que cet acte... Oui, et rentre dans le domaine de l'acceptable. J'ai accepté que cette tâche-là valait le coup, mais cette pensée n'implique pas un acte. Et puisque cette action qui a été décidée est seulement restée dans le domaine de la théorie, alors lorsque je vais me remettre, lorsque je vais me mettre dans le fait accompli, je vais encore avoir besoin de réfléchir. Donc on voit qu'en fait, il y a deux problématiques qui s'opèrent entre le passage de la théorie à la pratique dans la globalité, et après on va rentrer encore plus dans les détails. Première problématique lorsque je prends une décision, cette décision n'implique pas forcément un acte immédiat, parce que lorsque je prends une décision sur un acte, je ne suis pas en train de réfléchir sur le comment de l'acte, je suis en train de réfléchir sur le pourquoi de l'acte. En d'autres termes, est-ce que ça vaut le coup oui ou non de le faire? Parce que je ne suis pas encore sur le fait accompli, je suis seulement dans la théorie, et dans le dans le système dans la théorie, pas forcément il y a tous les problèmes qui qui sont en face de moi. Je n'ai pas forcément à réfléchi à tous les problèmes. Je ne réfléchis seulement à des problèmes qui concernent l'idéologie de l'acte. Est-ce que ça vaut le coup ou pas le coup de le faire Eh bien, dans cette réflexion, même si je suis arrivé à la conclusion que fallait faire ou ne fallait faire cette chose-là, ben ça n'implique pas forcément une action. Parce qu'agir, c'est tout autre chose. Ça, c'est le premier problème, problème. Deuxième problème, en fait, c'est s'est idée, c'est que lorsque maintenant je vais... Euh, M'apprêter à faire, eh bien, je ne vais pas le faire automatiquement. Je vais encore réfléchir. Comme on le voit souvent, on est en train de discuter avec un, des amis sur un projet et on arrive à la conclusion que oui, ça serait bien de le faire. Des jours passent, des semaines passent, bon, peut-être même des années, et rien ne s'est passé. Cette décision-là ne s'est pas concrétisée. Les amis se retrouvent encore. Bah, allez, viens, on le fait. Qu'est-ce qui se passe Même si ça a déjà été décidé, ils vont encore réfléchir sur la nécessité de le faire ou pas. Pour quelles raison Parce que lorsqu'ils avaient réfléchi au préalable, c'était dans le système de la théorie. Lorsque, lorsque maintenant ils vont encore réfléchir, là c'est pour passer à l'acte concret. Et pour passer à l'acte concret, ils font encore réfléchir. Parce que d'autres problèmes apparaissent. Et par rapport à ces autres problèmes qui apparaissent, peut-être que la décision sera différente. Peut-être que d'autres raisons saute aux yeux, rentre dans l'esprit de ces personnes concernées et se disent que avant on n'y avait pas pensé. Mais maintenant qu'on s'apprête à faire la chose et que ces raisons-là apparaissent, peut-être que ça va nous pousser à ne pas faire la chose. Donc on voit qu'il y a deux retards, il y a deux empêchements qui pourraient en fait retarder le passage de la théorie à la pratique. Premièrement, la décision prise n'implique pas l'action. Deuxièmement, lorsqu'on s'apprête à agir, il est nécessaire de de nouveau réfléchir. En fait, ce que tu dis, Eric, est d'autant plus vrai, parce qu'une fois je j'ai lu, lu une lettre du Rabbi. Le Rabbi il parle en fait à une personne qui, je pense que, de souvenir, c'était ça le problème de la personne, c'est qu'il avait dit au Rabbi, c'est que souvent il prend des bonnes décisions et n'arrive pas à les accomplir. Alors, le rabbi lui a donné une explication extraordinaire. Il lui a dit, en fait, que lorsqu'une personne se trouve dans, dans un moment de sa vie où il a envie de prendre des bonnes décisions, il a envie de se dire, allez, je vais étudier une heure de plus de Torah par jour, je vais mieux prier, je vais prendre une mise en place, etc. Mais Et en fait, le rabbi écrit là-bas dans la lettre que c'est un être Hatzon, c'est un moment de volonté, c'est-à-dire c'est un moment de dévoilement divin. Parce que c'est du fait qu'il y a eu ce dévoilement divin-là qu'il est arrivé à se poser la question que peut-être je vais faire plus que ce que je ne faisais, ce que je faisais jusqu'à maintenant. Et le rabbi dit en fait que c'est être à ce moment de volonté, ce moment propice, ne, 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 va pas forcément se répéter le lendemain. Et donc, lorsqu'on se dit, quelle bonne décision je vais prendre, eh bien, le rabbi donne comme conseil, mieux veut prendre des décisions que je peux accomplir dans l'immédiat. Parce que puisque je vais les accomplir dans l'immédiat, et je suis enfin en train de vivre un être Hudson, un moment de volonté. Ce être atson va me donner l'aide pour pouvoir le, le concrétiser. Alors que si je prends une décision, parce que je suis un être atson donc j'ai envie d'avancer dans le thoremisat, je prends une décision. Imaginons que c'est le soir, donc je vais prendre la décision de euh, de, de mettre l'été fini. Très bien. Le problème, c'est que l'été on n'est pas le soir. Il est tout à fait possible que le lendemain matin, J'aurais pas du tout la même envie, parce que je ne suis pas en train de vivre le être à ça, le moment propice, et donc je ne vais pas forcément l'accomplir. Alors, donne comme conseil dans cette lettre, c'est que lorsqu'on a envie de prendre des bonnes décisions, on est en train de, de vivre un moment, on a envie de prendre des bonnes décisions, on a envie d'avancer spirituellement, va bah, prendre des bonnes décisions que tu peux accomplir dans l'immédiat. Voilà. Donc, ce que tu dis, c'est d'autant plus vrai. Très bien. Donc là, on a vu globalement quels sont les problèmes. Du passage de la théorie à la pratique. Donc, je répète les deux problèmes, c'est que la décision prise n'implique pas forcément un acte, et deuxièmement, lorsqu'on s'apprête à agir, il est nécessaire encore de réfléchir. Donc, on voit que le passage à l'acte n'est pas rapide, parce que premièrement, la décision prise n'implique pas l'acte, et deuxièmement, il sera encore, lorsqu'on voudra passer euh, à l'acte, il sera nécessaire de encore réfléchir, parce que d'autres problèmes apparaissent. Donc, on voit qu'il y a deux choses. Qui vont retarder le passage de la théorie à la pratique. Maintenant, le rabbi rentre encore beaucoup plus dans les détails. Le rabbi, qu'est-ce qu'il nous dit C'est connu, comme on l'a souvent étudié, c'est que Dieu a, doté à a donné à l'homme trois manières de s'exprimer, qu'on appelle dans, dans, dans la chassidoute les trois habits de l'âme la pensée, la parole et l'action. La pensée, la parole et l'action, ce sont les trois outils qui ont été donnés à l'homme pour pouvoir exprimer sa réflexion, pour pouvoir exprimer ses émotions, pour pouvoir exprimer sa volonté, etc. C'est pour cette raison que, entre parenthèses par rapport à la question, à la question qui est demandée, c'est pour cette raison qu'il faut réfléchir avant de parler. On ne sort pas n'importe quoi de notre bouche. Ou sinon avoir l'habitude de dire bliné d'air sans prendre de serment. Au moins, on prend les précautions. On fait un Très bien. Donc, le rabbi ici nous dit que pour pouvoir exprimer ce qu'on veut, ce qu'on ressent, ce qu'on réfléchit, ça passe par la pensée, la parole et l'action. Et donc, en fait, pour passer à l'acte, ça doit passer par ces trois étapes. Tout d'abord, j'ai réfléchi. Cette réflexion-là va créer chez moi une émotion. Cette émotion va me pousser à vouloir accomplir ce qui a été réfléchi. Donc je vais commencer à y penser. Ensuite je vais en le dire. Et ensuite je vais le faire. Après évidemment on peut se poser la question, pas forcément j'ai besoin d'en parler. Alors soit en fait on donne l'exemple d'un roi qui a réfléchi à une nouvelle règle, à appliquer à un nouveau décret, et donc il va le dire au ministre, il va en parler à, ses, euh, à son gouvernement, et eux vont l'appliquer, ou sinon en fait la parole n'est pas forcément ce qu'on appelle une parole concrète, mais aussi le système de la parole. Le système de la parole, c'est ce qui permet en fait de faire le passage entre la pensée à l'action, comme on voit concrètement par rapport à la création du monde. On dit que le monde a été créé avec la sarama marotte, les dix paroles créatrices. Les dix paroles créatrices. Il est évident que Dieu ne parle pas. Donc lorsqu'on dit que Dieu a créé le monde par dix paroles, c'est que Dieu a créé le monde par un certain système qui est similaire au, au système de la parole. Donc en fait, la parole est un système. Donc lorsqu'on dit que pour pouvoir passer à l'acte, il faut passer de l'intellect, la, de la, de ensuite aux émotions, ensuite de la pensée, ensuite la parole et ensuite à l'action, c'est que lui, on passe par la parole, même si on ne le dit pas clairement, mais on passe par le système de la parole pour passer de la pensée à l'acte. Très bien. Donc on voit qu'en fait le processus est long. Il y a quand même cinq étapes. Globalement, on pourrait dire quatre étapes. Les forces profondes de l'âme, intellect et sentiment, et ensuite les trois habits de l'âme, pensée, parole et action. Donc le processus est long. Donc on imagine que lorsqu'on veut passer d'une étape à une autre et ainsi de suite, entre chaque étape, il y a des problèmes, il y a des empêchements, il y a du retard qui s'effectue. Et donc c'est ce que le rabbi va nous expliquer ici. La pensée, ça va nous permettre d'arriver à la parole et ensuite à l'action. Parce qu'en fait, j'ai pensé comment agir. Mais puisque cette pensée-là, elle est séparée de l'intellect, alors, pour passer de l'intellect à la pensée, eh bien, il peut y avoir certains retards. Le rabbi explique. En fait, la pensée que j'ai eue, au tout début, lorsque j'ai décidé dans ma tête si la chose valait le coup de faire ou pas, eh bien, elle est totalement annulée à la réflexion. C'est-à-dire que j'ai réfléchi si je dois prendre ces décisions ou pas prendre. Et donc, cette réflexion-là va m'amener à y penser. Cette pensée-là, il y a deux sortes de pensées. Il y a pensée, est-ce que, est que la chose ça vaut le coup de la faire ou pas? Et ensuite, il y a la pensée de comment la faire. Pour passer de la pensée à est ce que la chose, je vais la faire ou ne pas la faire, à la pensée, comment la faire, ce sont deux catégories de pensée. En fait, c'est comme si on passait de l'intellect à la pensée. Et pour passer de l'intellect à la pensée, eh bien il y a les fameux deux retards dont on avait parlé tout à l'heure. C'est pour cette raison que pour passer de la décision prise de faire la chose à la pensée de comment faire cette chose-là, eh bien, il peut avoir du retard. Premièrement, c'est que la décision prise n'implique pas forcément cette pensée. Comme on l'a dit, j'ai pensé de faire une chose, j'ai pris cette décision que je vais l'effectuer, mais ça n'implique pas forcément que je vais penser comment la faire. J'ai pris la décision de partir en vacances, mais ça n'implique pas forcément que dans l'immédiat et je vais penser comment partir, quelle destination, quels moyens de transport, etc. J'ai pris la décision de euh, quel projet j'ai effectué dans mon travail, mais ça n'implique pas forcément la pensée de comment le faire. Ça juste dit que je vais le faire. Maintenant, comment le faire, c'est un autre monde. Et donc on voit que la décision intellectuelle... N'implique pas la pensée, même plus que cela. Pour pouvoir penser comment le faire, et je vais encore me remettre à, à réfléchir sur la nécessité de le faire. Pourquoi Comme on l'a dit. Parce que là, je vais rentrer dans un nouveau système qui est le système de la pensée. Et dans le système de la pensée, d'autres problématiques apparaissent. Il est évident que les problèmes que j'avais lorsque j'étais seulement en train de décider de faire ou de ne pas faire ne sont pas du tout les mêmes problèmes lorsque je suis en train de réfléchir sur comment le faire. Une personne tout d'un coup prend la décision, ouais, je vais le faire. Et lorsqu'il commence à réfléchir, à penser comment le faire, eh bien, il est en train de se, réfl... il est en train de se dire que peut-être ça va enfin, pas forcément le coup, parce qu'il est en train de prendre conscience de toutes les problématiques qui découlent de cette décision de faire la chose. Imaginons. Euh... Prenons quelqu'un qui a envie de qui a envie de partir en vacances. On va prendre le même exemple. Je n'ai pas envie de prendre des, des, des exemples sur Torah et Mizod parce que normalement, l'idée, c'est que quand je prends une décision, je vais le faire. On n'espère pas qu'il y ait de blocage. Donc, on va prendre des choses euh, un peu basiques et que ce n'est pas si dérangeant que ça qu'il y ait des blocages par rapport à partir en vacances, même si ça fait du bien. Mais voilà. Donc, imaginons qu'une personne prend la décision de partir en vacances. Très bien. Il a envie de partir en vacances. Imaginons qu'il a envie de partir euh, aux États-Unis. Très bien. Il est en train de se demander comment partir il euh, y a la maladie. Il euh, n'y a pas forcément les avions qu'il faut. Et même si peut-être qu'en juillet il y aura les avions, imaginons en août y aura les avions. Euh, combien ça va coûter euh, Quelles sont les conditions pour pouvoir prendre cet avion Etc. Etc. Donc il arrive la décision qu'il a prise de partir aux États-Unis. Et bien quand il va s'apprêter à réfléchir de comment le faire, et tout de suite il remet tout en cause. Donc on voit bien. Que pour passer de la pensée de quoi faire à la pensée de comment faire, eh bien, il peut y avoir des empêchements. Parce qu'en fait, la, la, pense, les, la prise de décision de quoi faire, eh bien, elle était seulement concernée par certaines problématiques. Alors que lorsque je m'apprête à prendre, à réfléchir, à penser sur comment de la chose, eh d'autres problématiques apparaissent. Et donc, on voit qu'il y a deux retards. Premièrement, la pensée de, de faire n'implique pas la pensée de comment faire. Donc, ça peut prendre du temps. Pour arriver à la situation où je vais peut-être me dire que bah, comment je vais le faire C'est bien d'avoir pris la décision de le faire, mais peut-être comment je vais le faire Et lorsque je commence à réfléchir de comment je vais le faire, il y aura encore un autre retard parce que je vais encore réfléchir sur la nécessité de le faire ou pas la chose. Donc il y a le temps entre la pensée de quoi faire et la pensée de comment le faire. Et lorsque je vais me mettre à penser comment le faire, il y a encore du temps parce que je vais remettre en cause tout ce qui a été décidé auparavant. Donc, ça, c'est le passage de l'intellect à la pensée. On n'est même pas encore arrivé à l'action, il, il y a déjà du souci. Ensuite, pour la pensée à la parole. Puisque la parole est inférieure à la pensée, donc pour pas, parce que la pensée, ça concerne que moi, donc lorsque j'ai envie de réfléchir sur une décision à prendre, ça n'implique que moi, vu qu'il n'y a que moi qui réfléchis, il n'y a que moi qui pense, donc évidemment que les problématiques ici sont beaucoup moins. Il y a moins de problèmes à penser une chose qu'à dire une chose. Parce que dire une chose, ça implique d'autres personnes. Imaginons, j'ai pensé à, à un projet, j'ai pensé à faire quelque chose, et je vais en parler à ma femme. Je vais en parler à des amis. Il est évident que pour passer de l'étape à réfléchir une chose, à penser à faire une chose, à en parler à une personne tierce, c'est deux mondes complètement différents. Il est évident que pour passer de la pensée à la parole, D'autres problématiques vont apparaître. Et donc c'est exactement cette idée. Amchachashim marchavalei djibour couvre Pour passer de la pensée à la parole, il y a encore aussi d'autres retards. Et encore toujours les mêmes idées. Premièrement, la pensée que j'ai eue de comment faire la chose n'implique pas forcément d'en parler, parce qu'il est tout à fait possible que je vais rester dans l'état de réflexion, de pensée, parce que je n'ai pas du tout pensé à en parler. Lorsque j'ai pensé, par exemple, j'ai pensé à faire shabbat. Mais lorsque j'ai pensé faire Shabbat, je arrivé à la conclusion que je vais faire Shabbat. J'ai même réfléchi de comment le faire ce Shabbat-là. Mais ça n'a pas forcément impliqué que je vais en parler à mon entourage. Ça n'a pas forcément impliqué que je vais en parler à ma femme parce qu'elle est forcément concernée. Je vais pas faire Shabbat tout seul. Donc il est évident que la pensée que j'ai eue n'a pas forcément impliqué d'en parler. Donc pour pouvoir passer de la parole, de la pensée à la parole, il faut que j'ai encore une, un autre effort supplémentaire à faire qui est d'accepter l'idée de dévoiler la décision que j'ai prise à quelqu'un d'autre et ne pas seulement la laisser intime à moi-même. Donc on voit que pour passer de, la pensée, de passer de la pensée, de la pensée à la parole, que ça concerne peut-être notre propre femme, ou nos enfants, ou des amis, ou un collègue de travail, il est évident qu'une autre réflexion sera nécessaire. D'autres efforts seront nécessaires. Parce que les problématiques sont d'autres. Ça, c'est la première problématique, ça n'implique pas. Et deuxième deuxième retard, c'est que lorsqu'on parle de la parole, et il y a encore d'autres doutes qui apparaissent. Est-ce que. Par rapport à ces doutes-là qui apparaissent, par rapport à la nécessité d'en parler. Et donc, il sera nécessaire de fournir des efforts en plus par rapport à ces doutes qui apparaissent. Pourquoi Parce que la pensée, ça concerne que moi, alors que la parole, ça concerne une autre personne. Et qui me dit que peut-être j'ai envie que ces personnes-là soient concernées par ma décision prise Donc, pour passer de la pensée à la parole, eh bien, il, y aura encore, il y aura encore du retard. Parce qu'il faut que je réfléchisse à la nécessité de se dire que peut-être cette personne-là, lui, est concernée. C'est positif, c'est bénéfique que cette personne soit aussi au courant de la décision que j'ai prise, de la réflexion que j'ai eue, des pensées que j'ai eues, du comment, du quoi et du comment. Et lorsque j'aurai fait toutes ces étapes-là, alors je vais passer à la parole. Et je vais en parler. Très bien. Donc parce que là, on parle ici de dévoiler quelque chose qui était intime auparavant. Penser, c'est une chose, par, parler, évidemment, c'est un autre monde. Et le nez de même aussi pour passer de la parole aux actes. Que, puisque l'acte, c'est encore beaucoup plus séparé de la parole. Donc, pour passer de la parole aux actes, ça passe aussi encore avec du retard. Parce que la parole n'implique pas forcément un acte, c'est pas parce que j'ai discuté d'une chose, c'est pas parce que j'ai discuté avec ma femme d'un projet, avec mes enfants d'une de, de, éducation à, à, à appliquer. Avec un collègue d'un nouveau projet à accomplir dans, 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 le, dans, le, dans la boîte, etc., ben, ça n'implique pas forcément qu'on va le faire. En parler, c'est une chose, on fait des réunions, comme chacun peut l'entendre, on fait des réunions, on fait des réunions, on fait des réunions, on parle de projets, on parle de choses à, à effectuer, tartlite concrètement, il n'y a rien qui est fait. Pourquoi Parce que pour passer de la parole aux actes, c'est encore un autre monde. Et donc évidemment qu'il y a toujours les mêmes retards. Premièrement, lorsque j'ai parlé d'une chose, cette parole-là n'impliquait pas forcément de le faire, parce que j'ai accepté d'en parler, j'ai accepté qu'une autre personne soit au courant, parce que je sais que cette personne-là aussi va m'apporter quelque chose dans cette décision, mais maintenant passer à l'acte, après en avoir parlé, ou sinon après avoir fait ce processus de passage de pensée à parole, et bien pas forcément je vais faire ce processus de passer de la parole à l'action. Parce que l'acte, ça implique un effort supplémentaire, ça implique que la chose soit visible à l'extérieur, ça implique une fatigue en plus, etc. je suis gardé l'âme jamais, donc il faut encore d'autres efforts. Et comme c'est connu, dans la chasse, on explique en fait, la pensée, la parole et l'action, même si c'est vrai que ce sont trois vêtements, trois manières d'exprimer l'âme, il y a quand même, on peut mettre pensée, parole d'un côté et l'action de l'autre. La pensée, ça ne concerne que moi. La parole, évidemment, et on ne parle pas tout seul, donc on parle à quelqu'un d'extérieur à nous-mêmes, mais c'est toujours lié à moi-même, c'est moi qui parle, et au moment de la parole, il y a toujours moi qui est en action. Alors que lorsque j'agis, c'est dans un élément qui est complètement extérieur, qui n'est même pas un être humain, qui est un objet inerte, et ma, mon action, ensuite, lorsque je vais l'effectuer, elle, va elle va se retrouver dans un objet extérieur à moi-même. Donc pensée et parole, c'est lié à moi, alors que l'action, c'est quelque chose qui est complètement... Distancé de moi-même. Et donc, pour passer de la pensée qui est intime à la parole, qui est pas si intime, aussi intime que la pensée, mais qui est quand même liée à moi-même, à un acte qui est complètement séparé de moi-même, il est évident que là, le processus sera long. Et que ce n'est pas si évident que ça va se faire rapidement. Très bien. Et donc, le retard sera d'autant plus important. Et donc, maintenant qu'on a compris comment ça fonctionne chez l'homme, eh bien maintenant on peut comprendre aussi comment ça fonctionne chez dans les divins. Il y a de même là-haut, la décision qui a été prise à Rosh Yom Kippur, cette influence de bonté spirituelle, eh bien ça passe, ça commence déjà par le monde d'Atsilut, le monde de l'émanation, le monde le plus élevé spirituellement. Et ensuite ça va descendre dans le monde de Bria, la création, ensuite le monde de Siri la formation, ensuite le monde d'Assia de l'action. La et en fait ces quatre mondes font allusion à Atsilut, ça fait allusion à l'intellect et aux émotions. Ensuite Bria. La création, ça fait référence à la pensée. à la formation, ça fait référence à la parole, et ensuite Asiya, l'action, ça fait référence à l'action. Et donc on voit qu'en fait que la décision qui était prise à Rosh Hashanah de nous prodiguer telle influence spirituelle pour qu'elle puisse passer de Itzira à Asiya, et bien en fait c'est exactement le même processus que chez l'homme. La décision qui était prise à Rosh Hashanah n'implique pas forcément de la recevoir concrètement, parce qu'il suffit de voir comme chez nous mêmes qu'on vient de le voir. On a vu ô combien il était difficile de passer d'une de passer pensée à un acte. Parce qu'entre chaque étape, il y a toujours des problèmes qui arrivent. Entre la réflexion et la pensée, problématique. Entre pensée, parole, problématique. Entre parole, action, problématique. Et donc, elle en est de même entre. Que pour, par rapport à l'influence spirituelle aussi à rechercher qui pour pour qu'elle puisse se concrétiser, évidemment, ça va passer par toutes ces étapes de absolute à Bria. Donc entre, entre absolute et Bria, il y aura du retard. Parce que est-ce que ça vaut le coup que cette influence spirituelle puisse rentrer dans le système de la pensée Ensuite de Bria et Sira. Est-ce que vraiment ça vaut le coup que l'influence spirituelle puisse passer du système de la pensée à la parole, et ainsi de suite Très bien. Nous, c'est ce que nous dit le Rabbi. Donc, pour que l'influence spirituelle puisse arriver dans notre monde physique et matériel, alors il est nécessaire qu'au tout début, ça passe d'abord par le monde de la pensée, ensuite dans le monde de la parole et enfin dans le monde de l'action. Et donc, il est évident qu'entre chaque étape, il y aura du retard. Et donc, de là, en fait, on comprend qui est tout à fait possible que l'influence qui a été décidée à Yom Kippour puisse rester spirituelle et ne pas descendre concrètement parlant, physiquement parlant. Pourquoi Parce que ça doit passer par des étapes qui sont nombreuses. Entre chaque étape, il y a du retard. Entre chaque étape, il y a encore un nouveau jugement. C'est ça qu'on avait dit en fait, le jugement quotidien. C'est quoi le jugement quotidien C'est comme chez nous. Lorsque je suis en train de réfléchir sur un projet effectué, et ensuite je vais en parler, ben je vais encore tout remettre en cause parce que les problématiques sont tout autres. Lorsque Dieu a décidé de nous donner une influence spirituelle, donner une influence spirituelle, ça impliquait certaines choses, mais donner une influence spirituelle qui va descendre dans le monde de l'action concrète, c'est tout autre chose d'autres problématiques apparaissent. Et donc dans les mondes spirituels, lorsque l'influence divine, la bonté va descendre de niveau en niveau, à chaque fois, il y aura une nouvelle réflexion, une nouvelle décision, un nouveau jugement qui va décider si cette influence spirituelle qui est décidée à Rosh Hashanah va descendre dans le monde de la pensée. Alors, ensuite, elle descend, elle descend, elle descend de niveau. Pensée peut-être passer dans le, monde de la dans le système de la parole. Peut-être que oui, peut-être que non. Et ensuite, dans le système de l'action, et ainsi de suite, jusqu'à ce que, après qu'elle ait passé tout ce processus, alors oui, le juif ici-bas, il va recevoir ce qui a été décidé. Mais il est tout à fait possible que déjà ça prenne du temps, et même tout à fait possible que ça ne descende pas. Parce que peut-être que le, 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 cette influence spirituelle, ça a été décidé par rapport à elle, en fonction de nos actions, évidemment, de ce qu'on qu fait ici-bas, que peut-être ça ne vaut pas le coup de descendre. Parce que l'influence spirituelle telle qu'elle sera réservée dans le gan ça n'implique pas toutes les considérations d'un besoin qu'un homme reçoit dans ce monde physique. Imaginons qu'un homme il souhaite, il souhaite être riche et qu'il demande à Kaldech beaucoup d'être riche, d'avoir énormément, énormément, énormément d'argent. Dieu, en fait, il donne une influence spirituelle à Rochachena très bien. Cette influence spirituelle va pouvoir prendre un aspect de la richesse. Le problème, c'est que si ça prend l'aspect de la richesse physique, matérielle, eh bien, il y aura évidemment d'autres problèmes qui, qui n'étaient pas concernés lorsque ça restait seulement spirituel par rapport à un plaisir dans le Ganéden. Parce que lorsque l'homme il va, il va être riche, bah peut-être qu'il va être attiré par plus de plaisirs qui seront maintenant accessibles pour lui. Peut-être qu'il va, euh, va oublier des personnes qui étaient proches de lui parce que maintenant il se met dans une catégorie sociale plus élevée. Il va se dire qu'il est beaucoup plus libre. Il va, il va se dire qu'il qu il a beaucoup de choses qui qui sera capable de faire donc qui va devenir orgueilleux etc donc les implications sont tout autres lorsqu'on parle d'une influence qui était spirituelle à un passage à une influence qui est matérielle très bien donc on voit qu'en fait entre chaque étape il y a un nouveau jugement il y a une nouvelle réflexion pour savoir si ça vaut le coup ou pas de faire descendre cette influence spirituelle dans le monde concret ou pas forcément et donc, là, le rabbi il continue, il nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit, mais pour quelle raison ça fonctionne comme ça Pourquoi l'homme, lorsqu'il a envie de concrétiser une décision, bah, ça prend son temps Parce qu'en fait, lorsqu'il prend cette décision, elle est basée sur une logique. Il est en train de réfléchir logiquement est-ce que cette chose, ça vaut le coup de le faire ou de ne pas le faire Donc, on est dans le système de la réflexion. Ce qui lui a poussé à vouloir le faire, c'est la logique de la chose. Pour quelle raison j'ai envie, je veux, euh, faire ces projets parce que j'ai réfléchi que ce projet va m'apporter énormément de bénéfices les efforts à fournir ne sont pas assez importants les pertes le l'argent à mettre pour pour effectuer ce projet sont moindres par rapport aux bénéfices que je vais en, en tirer alors je vais les faire donc c'est la logique qui est derrière puisque c'est la logique qui est derrière alors ça va prendre du temps là le rabbin nous explique maintenant si une personne décide de faire une chose, mais ce qui a été le moteur de cette décision, de cette volonté, n'est pas une logique, n'est pas une réflexion, mais un plaisir. Parce que je sais qu'à travers cette chose-là, je vais en tirer du plaisir. Là, le processus est tout autre. Lorsque je sais qu'en effectuant cette chose, ça va me procurer du plaisir, alors évidemment que le processus est beaucoup plus rapide. Pourquoi Parce qu'il y aura plus de temps d'attente. Étant donné que je suis pressé à obtenir ce plaisir-là, alors le passage de la réflexion à la pensée, la pensée à la parole, la parole à l'action, va se faire beaucoup plus rapidement, vu que je suis pressé de recevoir ce plaisir. Et tant que je suis à l'étape de pensée, je n'ai pas obtenu ce que je souhaitais. Tant que je suis à l'étape de parole, non plus. Tant que je suis à l'étape de. Et il faut que j'arrive à l'étape de l'action. Et donc, lorsqu'en fait, la source de ma volonté, c'est le plaisir que je vais tirer de cette décision. Alors évidemment, ça va beaucoup plus vite. Il n'y aura plus toutes ces embûches qu'on avait parlé auparavant. C'est ça ce qu'on a dit ici. Premièrement, l'embûche le, de la réflexion à chaque étape. Il n'y a pas besoin à chaque fois de réfléchir à chaque étape, à chaque étape. Le premier embûche qu'on avait dit déjà, c'est qu'une étape n'implique pas forcément une autre. Mais là, je suis attiré par le plaisir qui va en découler. En d'autres termes, si j'ai décidé de faire cette chose-là, parce que je sais que quand je vais la faire, ça va me procurer du plaisir, eh bien, lorsque je vais, me, lorsque je vais réfléchir et je vais penser, dans cette pensée-là, il était évidemment inclus la parole, il était évidemment inclus l'action. Parce que ce qui me pousse à vouloir cette chose-là, c'est le plaisir, et le plaisir est obtenu dans l'acte. Donc, quand j'ai pensé à le faire, j'ai aussi, automatiquement, ça va m'impliquer d'en parler. Et ça aussi impliquait automatiquement de le faire. Donc, il y a plus ce, ce premier retard qui est de se dire que dans l'étape précédente, n'impliquait pas forcément l'étape suivante. Le deuxième retard dont on avait parlé, c'est lorsqu'on s'apprête lorsqu à passer à une autre étape, eh bien, on va tout remettre en cause parce que d'autres problématiques apparaissent. On pourrait peut-être se dire que cette, ce retard-là subsiste lorsque le plaisir est concerné, mais cette étape sera beaucoup plus rapide. Parce qu'on sera motivé à faire en sorte que ces retards soient le plus écourté possible, soit le plus court. Pourquoi Pour arriver le plus vite possible au plaisir. Donc là qu'est-ce qu'on voit On voit que lorsque ce qui est à l'origine de la décision est un plaisir qu'on va tirer, ça va beaucoup plus vite. Et donc on voit que deux systèmes existent. Le système lorsque la décision a été dépendante d'une réflexion et le système, lorsque la décision découle d'un plaisir. Et c'est exactement ça, en fait, Birkat Kohani. Comme on l'avait dit tout à l'heure, au nom de la sey c'est que quand est-ce qu'on voit qu'une bonté sera capable d'aller jusqu'au concret, lorsque c'est une grande bonté Quand est-ce qu'on voit une personne qui est remplie d'énormément de bonté, lorsqu'il n'exprime pas seulement intellectuellement lorsqu'il n'exprime ne pas seulement émotionnellement, mais lorsqu'il exprime aussi concrètement. Et ça, c'est ce qu'il est, c est idée de plaisir. Le plaisir, en fait, c'est la force de l'âme la plus élevée, la plus profonde, celle qui touche l'essence même de l'âme. Vu qu'en fait, on touche la, le niveau le plus haut de l'âme, qui est le plaisir, c'est l'essence même de l'âme qui est concernée, alors ça va descendre extrêmement rapidement, avec énormément d'intensité. Et donc, Birkat Kohanim, c'est ça. Lorsque les koanims nous bénissent, la bracha des koanims ont cette force d'atteindre un niveau spirituel qui est de la grande bonté. Et que cette grande bonté-là a cette force de descendre jusqu'au plus bas. Sans les birkades kohanim, la bonté qu'on peut avoir, c'est seulement une bonté qui va passer par des étapes, qui peut être une bonté qui va se suffire d'une bonté intellectuelle. Ça peut être une bonté qui va se suffire d'une bonté émotionnelle. Mais pour que ce soit une bonté qui va aller jusqu'au concret, il faut que ce soit une grande bonté. Pour atteindre cette grande bonté, ça passe par les Koanim. C'est ça, cette idée que Aaron, les mêmes lettres que Niré, visible, comme nous a dit le médecin Parce que les, par le biais du Birkat Koanim, cette bracha va rendre visible quelque chose qui aurait pu être retardé par, les plus, par le processus d'étape en étape. Cette Birkat Koanim va permettre de faire descendre l'influence divine beaucoup plus rapidement parce qu'elle provient d'un niveau qui est beaucoup plus haut. Et donc ça va descendre rapidement et avec beaucoup plus d'intensité parce qu'évidemment les choses qui s'effectuent avec hâte, avec rapidité, eh bien, se font avec beaucoup plus d'intensité. Et donc Birkat Khan non seulement ça va permettre de faire descendre l'influence divine beaucoup plus rapidement, mais ça va permettre aussi de faire descendre l'influence divine avec beaucoup plus d'intensité. C'est l'image qu'on donne que dans la chassidoute, vous prenez un, un, un ruisseau, un fleuve, et vous mettez une barrière. <coughs> vous mettez une barrière et ça va emmagasiner, 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 emmagasiner l'eau. Et ensuite, cette barrière, vous la cassez. Ça va faire en sorte que le fleuve va se déverser avec énormément d'intensité et beaucoup plus rapidement. C'est ça, en fait, Birkat Koanim. Birkat Kohanim, ça enlève les barrières. Comme on l'a dit, il y a des barrières entre chaque étape qui bloque l'influence divine. Birkat Kohanim, ça permet d'enlever ces barrages. Lorsqu'on enlève les barrages, eh bien, il est évident que ça va beaucoup plus vite, avec beaucoup plus d'intensité. Et le Rabbi finit le Mahamar en lui disant que la fin de Birkat Koanim, c'est quoi C'est quoi la fin de Birkat Kohanim Et j'installerai sur toi la paix. Et le bien en fait fini le mamar comme on l'a dit, que pouvoir mériter une bénédiction, ça doit passer par un qu'il ait un réceptacle. La meilleure le meilleur des réceptacles pour recevoir cette bénédiction extraordinaire qui vient rapidement avec intensité, c'est la paix. Lorsqu'une personne cherche la paix, lorsqu'une personne recherche la paix, déverse la paix autour de lui, et bien justement, ça va lui permettre de recevoir cette bénédiction extrêmement rapidement. Et avec beaucoup plus d'intensité. Dans les mots de après, on aura fini. Ça à m'attaquer là Il faut que ici-bas aussi, on soit méritant. C'est parce qu'en fait, Berkat Kohanim, comme on l'a dit, ça a un impact là-haut. Mais nous, on doit avoir un impact ici-bas, pour que tout aille vite. Pour que vite. Il faut déjà que ça parte de très haut, et il faut que en bas aussi, on montre qu'on est capable de recevoir cela. Birkat Kohanim, ça a une implication là-haut. Mais c'est à nous d'avoir une implication en bas. Birkat Kohanim, ça fait en sorte que le... ça va provenir du niveau extrêmement élevé, de rafraîchissement, de grande bonté, qui est capable d'atteindre les niveaux les plus concrets. Ce qu'on a besoin physiquement dans ce monde matériel. Ça va aussi enlever les barrages, ça va enlever les barrières, de manière à faire en sorte que ça descende plus vite, avec beaucoup plus d'intensité, donc une beaucoup plus large. Mais c'est à nous aussi d'agir pour qu'on soit méritant de cette bénédiction. D'où le fait que la bénédiction finit par Yassem le pour te dire que tu veux recevoir cette bracha extraordinaire. On recherche le shalom. la rabbi dit Yassem s'émeratamim alzichasiim va khoteim de berkel kaniim Yasem le Chacholam et qui a clé les ribuy bracha parce que le réceptacle pour la multiplicité de bracha. C'est le bracha infini. et eh bien, c'est la paix. Comme lui dit le Chachem de l'omatsa de bruk leim bracha que Dieu n'a trouvé d'ustensiles qui est capable de saisir et de réceptionner la bijection si l'Israël pour le peuple juif, et seulement la paix. Et donc en fait, parce que pour que les choses aillent rapidement, comme on est dans une entreprise, pour que les choses aillent rapidement, il faut que là-haut déjà, dans les, dans, les, dans les PDG, ça aille rapidement les réunions pour essayer de prendre des décisions. Alors, on sait qu'il faut que la chaîne de l'entreprise aille vite et aussi la chaîne de distribution aille vite. Donc, pour que vraiment ça aille rapidement, pour que l'influence spirituelle soit le plus intense possible, il faut que sur toute la hiérarchie, dans toutes les étapes des processus de l'influence spirituelle, tout soit au top du top. D'où la nécessité des percades co pour que ça provienne de très haut et enlever toutes les barrières, et d'où la nécessité aussi aux juifs de rechercher le shalom. Parce que pouvoir recevoir la bracha de Dieu, c'est le bracha qui est infini, alors il faut qu'on ait aussi un comportement qui est infini. Ce comportement qui est infini s'exprime essentiellement par la paix. Parce que c'est quoi cette idée de paix C'est d'annuler les contraires, rechercher l'infini. Quelqu'un qui ne recherche pas la paix, c'est un qui met des limites. Moi je suis ainsi, lui il est comme ça, on ne peut pas vivre, on ne peut pas cohabiter ensemble, on ne peut pas vivre ensemble. Donc, il met des limites à soi-même, il met des limites aux autres. Alors qu'un qui recherche la paix, c'est qu'un qui, qui, qui va au-dessus de tout ça. Qui va au-dessus des aspects extérieurs, mais qui cherche plutôt la profondeur, ce qui nous rassemble, ce qui, nous, ce qui est similaire à tout à chacun. Et lorsqu'il recherchera la paix, et Dieu verra que ce juif est un véritable est, un véritable réceptacle, vu que c'est un homme de paix, qui recherche la paix, qui prodigue la paix autour de lui, alors il méritera les plus grandes bénédictions. Qui passe par le biais de cette birka de koanim qui permet de chercher les niveaux de bonté le plus élevé et de faire descendre le plus rapidement possible. Donc, c'est ça, en fait, le sens profond de Birkat de koanim Donc, là, grâce à cette étude, à ce cours, on a compris le sens profond de cette misa qu'on a dans notre paracha, qui est de birka de koanim que lorsqu'en fait les koanim nous bénissent, on ne doit pas seulement se dire qu'on va rassembler les enfants, que c'est une bonne couture, on va mettre les enfants sur le taït, mais de se dire que c'est un moment extraordinaire où là, Dieu nous a donné un moyen qui est de rendre les choses beaucoup plus rapidement. Que tout va plus vite avec Birkat Kohanim, que tout va avec beaucoup plus d'intensité, donc avec l'aide de Dieu, on puisse très rapidement se retrouver dans le Beta Knesset, dans le Shul, pour encore avoir Birkat Kohanim, et évidemment encore beaucoup plus avec le Beta Mikdash, avec tous les Kohanim qui vont nous bénir. Le Beta par l'avenir de ma chère Merabia, mais meinuameh.